ground. I watched it burn across the sun and above the clouds. The siren's clear, I'm ready to fall and find a lover that was meant for me. When the wolves run wild, I see myself, but you won't take this road I go down. The nights grow cold, the flame goes out, living forever in our ghost town, in our ghost town, in our ghost town. Save me, I save you, a miracle that was meant for two. I save you, you save me, a miracle with every beat of my heart. Da 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 da. I save you, you save me, a miracle that was meant for two. I save you, come save me, a miracle with every beat of my heart. Oh yeah, oh, oh, oh yeah, oh, oh, oh yeah, oh, oh, oh yeah, oh, oh, da 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 da. Every beat of my heart. Excusez-moi, pardon. La chanson s'est arrêtée beaucoup trop vite pour moi. Je n'étais pas prête. Et on est en direct. Mais oui. Ah ouais. Mais bonjour. On était en train d'avoir un débat avec Virginie, donc ouais. c'est le moment de commencer cette nouvelle émission. On a toutes, on est toutes émoustillantes là. Alors bienvenue tout le monde. Bienvenue nos émifionneurs. Non. D'accord. J'ai essayé de le valider en même temps, ça n'a pas marché. Vous savez que vous pouvez participer à cette émission, hein. Vous êtes au courant maintenant via quoi ? Via les réseaux sociaux, par exemple Twitter avec le hashtag l'émission tout attaché, sur directement le Twitter de l'émission en tweetant @salutlemifion en majuscule, sur le live de YouTube en dessous de la vidéo, mais les commentaires ne perdureront pas à la fin du live, ou alors sur le forum de mademoiselle.com dédié à l'émission de ce soir. Alors le concept de l'émission de ce soir, justement, il est un tout petit peu particulier. Ah ouais. Ouais, pour une fois, on s'est pas dit qu'on allait faire un thème voilà, hyper classique. On a jeté par-dessus bord clairement un conducteur avec petit 1, petit B, petit 2, petit 12. Aux oubliettes, non, on est des oufs ce soir et il va se passer un truc exceptionnel et c'est la première fois que ça arrive dans l'émission. Vous allez pouvoir nous appeler. Je trouve ça formidable. Ah, c'est la première fois ? Ouais, wow. C'est la première fois qu'on va entendre votre voix, vos voix, j'espère. FIP. Et donc du coup, comment vous faites pour nous appeler ? Alors ça va pas être tout de suite, on va déjà un peu parler de la Saint-Valentin, puisque c'est le thème de ce soir. Donc la Saint-Valentin dans la à globalité, les époques, à tout, et puis on va aussi parler un petit peu de romantisme, de couple, de est-ce que c'est la pression ou pas. Nous, on la passe toutes les quatre ce soir, ouais, on est bien. Très contentes. Ouais. On ne sait pas comment vous êtes. Voilà, j'ai une Ouija pour à la fin de l'émission, histoire qu'on s'amuse bien comme des petites folles. À la maison, on sait que souvent vous nous regardez en couple, que parfois vous faites ça entre potes, entre célibataires ou tout seul, machin, etc. Ouh. Donc voilà, ce soir, vous allez pouvoir... émission, ouais. 7 à 77 ans, paraît-il. Et comment vous nous appelez ? Eh ben, tout simplement via Skype. Donc c'est live@mademoiselle.com. Tout simplement. Et alors, vous connectez et vous tentez de nous appeler, vous posez vos questions. Tout et voilà. Et notre petite Louisounette, est merveilleuse, va nous faire passer tous vos petits messages. Voilà, surtout, voilà. Si vous pouvez pitcher vos questions avant, faites-le sur le chat de Skype de live@mademoiselle.com et Louisounette choisira les
appelants. Ce faisant, je vais maintenant... Elle surarticule ce soir, hein. Je vais vous présenter nos invités parce que quand même, attendez, on a réfléchi avec Navi, on s'est dit qui de mieux pourrait nous accompagner lors de ce live un petit peu spécial. Et on s'est dit, bah attendez, stop, il nous faut Océane Rosemary et Bérangère Krief. Ouais. Alors, une star et une gouine. C'est bien une star et une gouine. On prend deux stars. Non, non, c'est mieux une gouine. Et du coup, alors bon, on leur a demandé, elles ont dit oui. Elles sont là ce soir, on applaudit. La tristesse de cette applaudissée. Mais je suis pas notre plus grande standing. Tu pourras rajouter des applaudissements en post-prod. Merci beaucoup. Bienvenue à vous deux. Merci. Bienvenue, ouais, les filles. Océane, c'est ta deuxième, toi, oui, à ce micro. Tu étais là avec Wax. Bernoux. Avec Nicolas Bernoux. Nicolas Bernoux. Exact. Ouais. Par contre, toi, Bérangère, c'est ta première. Oui. Ouais. C'est ton baptême. Oui. Et je crois que t'es contente d'être. Je suis très contente. Ouais, ouais, ça se voit. Nous aussi, on est trop contents. Grave. On Faut-il que... les présenter? Bah. Est-ce qu'il y a besoin? Ouais. Bon, Bérangère Krief, star de l'humour. Océane Rosemary, star de l'humour politique, s'il vous plaît. Ouais, elle a fait puis... Sarkozy pour y Et surtout, en fait, vous êtes nos copines et vous nous faites rigoler. Donc, ouais, c'est pour ça qu'on s'est dit, il va y avoir des appels. On va avoir d'un côté Bérangère qui va dire, bon, c'est pas grave. Et de l'autre côté, Océane qui va dire, non, mais écoute, je pense que c'est intéressant aussi de se retrouver seule. Parce que tu donnes des statistiques. Tu donnes des statistiques, je suis morte. Ouais, je serai là pour les chiffres. On a le backup. Ouais, bon. Et pour commencer cette petite émission spéciale sans Valentin, on va faire un petit point histoire, si vous le voulez bien. Oui, d'où ça vient cette histoire le de Saint-Valentin? Petit point histoire. C'est exactement la question qu'on va se poser. Est-ce que tu sais, toi, d'où ça vient? Oh bah, au Moyen Âge, ça a commencé la Saint-Valentin. Ça a commencé avec les gueux, avec. Et puis aussi, non, il y avait eu des prémices pendant l'Empire romain, notamment pendant les jeux, hein, les fameux jeux où des esclaves allaient se battre avec des lions. Au bout de vous vous souvenez la fois où ce fameux esclave a roulé une pelle à un lion. Mais non, mais si, il y a eu un truc d'une rencontre amoureuse très forte en fait entre un esclave zoophile. Il ne le savait pas, il l'a découvert en étant en présence du lion. Ils sont tombés amoureux. C'était un 13 février et pour célébrer cet amour unique, hein, l'Empire romain a décrété le jour de l'amour. Alors au départ, c'était donc entre les animaux c'est et mais après, ça a disparu et c'est revenu au Moyen-Âge. Alors, j'ai deux choses à dire. La première, c'est que quelque part, t'es pas loin. Et la deuxième, c'est que Bérangère Krief regarde Océane Rosemary comme je regardais Océane Rosemary quand je l'ai rencontrée. Ah ouais. Et qu'elle disait un truc n'importe quoi, mais en étant sûre. Ah ouais, moi, et donc, j'étais là genre, ah ouais, sans déconner. Elle a trop raison. C'est bizarre tout d'embrasser temps. Un lion. Quand même. Je suis quand même. Mais c'est mon baptême de tout, quoi. C'est pas exactement ça, mais il y a néanmoins une histoire d'ours à la fin dans le truc. Donc, Donc tu croyais pas si bien de dire en disant que ça, on a cette fête qui est héritée de la Rome antique, effectivement. C'est en fait à l'origine, t'as dans les Luparcales. Je vous explique. Hein, c'est organisé tous les 15 février, donc à l'époque, et qui célébrait Faunus Lupercus, dieu de la fécondité. De la fécondité. Donc le 15 février, c'était un peu la teuf pour dire bon, c'est le moment, tu vois, où faut y aller. Hein. C'est l'Église, il faut procréer, c'est important. Et donc le 15 février correspond alors à la fin de l'année romaine, qui reprend chaque 1er mars. Et c'est à l'occasion des Lupercales justement qu'on organise une fête païenne qui se déroule en trois étapes qu'SML va vous donner tout de suite. Voilà, une fête païenne qui célèbre donc la fécondité, les bergers et les troupeaux aussi. Ah, c'est un petit peu chic. C'est un petit peu le... de chèvres. Voilà, c'est ça. Donc, les trois... Ça n'a pas de sens. Mais c'est vrai, cette oui, fois-ci. Alors attends, mais tu vas comprendre le sens. En fait, la première étape, c'est qu'il y a des prêtres qui sacrifient un bouc dans la grotte du Lupercal, où selon la légende, la louve à l'état, les fondateurs de Rome, qu'on connaît bien, Arthur et Romulus et Rémus. Ensuite, ils enduisent des jeunes gens issus de familles nobles de sang des sacrifices dans une sorte de cérémonial qui symbolise la purification des bergers
d'où les bergers et le troupeau. D'où Dexter. Exactement. Et après, il y a une course des Luperques pendant laquelle les prêtres et les jeunes gens, couverts de la peau des bêtes sacrifiées, courent dans les rues de la ville et fouettent les passants avec des lanières découpées dans des peaux du même animal. C'est voilà. Pas un rassemblement vegan, apparemment. C'est ça. Et alors, il y a deux interprétations selon les historiens. Parce qu'il y a une interprétation un peu sobre qui dit que surtout les femmes étaient fouettées pour accroître leur fécondité. Oui, parce que c'est ça. Ouais, voilà. Non, mais elles fécondent beaucoup plus, les femmes. Oui, bah, bien sûr. On les fouette plus assez, de le d'ailleurs. Bah, évidemment. Moi, même, j'en parlais à mon gynéco, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Ouais, elles font des PMA, ouais, des filles, bah, elles ont qu'à se prendre des fouettes. De ouais, attends, ouais, je vais te dire, ça te ravive les ovaires. Hein, c'est vivifiant. Exactement. Et ça souhaitait une grossesse heureuse et un accouchement sans douleur. Évidemment, on y croit. Et la dernière étape, c'était une sorte de banquet géant au cours duquel les jeunes hommes tirent au sort leur compagne pour la soirée et peut-être pour la vie si ça se passe bien. C'est l'ancêtre de Tinder. C'est ça. Sauf, alors, sauf que tu vois pas les pages. Il y a Jean-Claude Kaufmann qui a sorti un livre récemment qui s'appelle Saint-Valentin, mon amour, qui dit que oui, alors les gens qui courent dans les rues ensanglantés et couverts de peaux de bêtes du sacrifice, c'est surtout les hommes qui courent pour aller violer des femmes dans leur maison. Et ensuite, le banquet, c'était plutôt un viol géant. Donc ensuite, l'église, une fois qu'elle a été implantée en Europe occidentale, a voulu interdire les lupercales. Et ils ont dit non, le 15 février, le 14 février, c'est la Saint-Valentin. Hein, c'est la Saint-Valentin. Ouais, elle a raison. C'est trop la Saint-Valentin. Et aujourd'hui, nous sommes en 2017. Et on fait curieusement, alors voilà, curieusement, ça a perduré. Bien sûr, ça a été repris. D'aucuns diront oui, c'est la fraîche des confiseurs, des chocolatiers, bon, d'Interfloris. N'empêche que ça reste et que beaucoup d'entre nous, autour de cette table, avons peut-être déjà fêté la Saint-Valentin. Mm. Est-ce que c'est votre cas, les meufs? Oui, j'avoue. Non, aujourd'hui, je voudrais juste dire que dans ma journée, je suis un peu team, pas fêter la Saint-Valentin. On n'a pas besoin d'avoir un jour précis pour. Ouais. Et en même temps, il y a un côté où, bah, tu vois, j'étais contente d'être là soir en disant, quand même, je fais quelque chose. Ouais. Tu sais, non, mais genre, tu te dis, si je regarde un DVD seul avec mon chat, quelque part, j'ai un peu raté un truc. Alors, tu vois, il y a un côté con. Oui, tu veux pas le faire et en même temps, tu dis, mieux. Ouais, et j'ai vu beaucoup de gens sur Instagram, beaucoup de gens avec leur chat. J'aime mon chat, tu vois. Enfin bon, bref. Mais en tout cas, oui, moi j'ai un seul souvenir de Saint-Valentin. Je devais être au lycée avec mon amoureux du lycée qui m'avait fait la totale. Épilation des yeux. Non, il m'avait fait chemin de rose. Allez, comme toi. Cadeau, ouais, bijoux, dîner en tête à tête. Bon, chez ses parents qui n'étaient pas là. Bijoux, manège à bijoux. Manège à bijoux, bien sûr. Génial. C'était des dauphins qui recouvraient une petite boule. Tu les as encore? Je crois qu'il est chez mes parents. C'est toujours le genre d'objet que tu te dis. Je vais pas le jeter quand même. Non. Mais tu sais, il faut attendre 15 ans, ça revient. C'est offert avec l'argent de l'amour. L'argent de l'amour. Et puis donc j'ai que ce souvenir là de Saint-Valentin. Bah, un souvenir mignon. Oui, il était. Ah, donc c'est quand même c'est assez vieux quand même. Enfin, ouais. Y a 4 ans, mais après j'ai dû la fêter, mais je l'ai pas beaucoup fêté quand même. Hmm. Et toi? Oui, mais la question c'est, est-ce qu'il t'a baisé? Parce qu'en fait, est-ce qu'il a fait tout ça pour te baiser ou vraiment juste... Bon, je pense que ça faisait déjà longtemps qu'on était ensemble. Alors oui, on a dû honorer le... déjà des rapports sexuels. Ouais. Oui, oui, et oui. Et donc, Bacar. C'était pas une... Bah, quand il m'a ensanglanté... ça, c'était la première fois. Bah, j'ai un bon souvenir. Non, ouais, j'ai pas trop d'anecdotes foireuses mais de ça. Mais tu l'as fêté. Bah ouais, ce jour-là, ouais. Mais après, j'ai dû le fêter, mais j'ai oublié. Ouais, ouais. C'était déjà... Ton cerveau était moins J'étais pas perméable. Très pour, je pense que je l'ai pas beaucoup fait. Elle a commencé sa vie amoureuse avec des dauphins. Bien sûr. Toi, sur des boules faites. Bah non, mais moi, c'est pareil, c'est que j'ai un gros problème de mémoire. Un sérieux problème de mémoire, mais je veux dire...
tout le temps. C'est-à-dire, là, j'ai encore croisé quelqu'un il n'y a pas longtemps qui me dit hey, salut. Je ne sais pas du tout qui était cette personne. Vraiment pas du... Alors qu'on et on l'embrasse. Son ex-femme est là ce soir. On s'était rencontrés assez, enfin, il n'y a vraiment pas très longtemps. Donc, du coup, bon, a priori, moi, je ne fête pas la Saint-Valentin, puisque c'est plutôt un peu un truc où, non seulement tu dis, ouais, c'est commercial, machin, mais en plus, c'est un truc d'hétéro. Enfin, ouais, tu vois, donc, nous, on rajoute encore une couche. Parce que la lesbienne est rebelle, ne l'oublions pas. Enfin, pas toutes, remarque. Mais du coup, non, je ne crois pas l'avoir. Dans mon souvenir, hein, qui remonte à hier, je ne l'ai jamais fêté. Mais peut-être quand j'étais plus jeune. C'est un sujet d'engueulade. Parce qu'on peut se souvenir de ça par rapport au fait que, genre, ah putain, elle me fait chier avec la Saint-Valentin. Non. Par contre, dans des souvenirs très flous comme ça, si je fais de l'hypnose, je me souviens peut-être. La meuf fait de l'hypnose tout de suite. Ouais, ah, ça y est, j'ai des souvenirs, ça revient. Peut-être d'avoir été dîner, dire ouais. Oh, c'est la Saint-Valentin. Bah, ouais. Oui, bon, mais pas de cadeaux, pas de trucs, tu vois, pas ça. Ah si, j'en ai fait une. L'hypnose a marché sur moi. C'est l'émission. Qui était pas mal. On avait été dîner, c'était il y a 2-3 ans. C'était au Buffalo Grill. Non, on a été dîner dans un resto assez pas très loin de chez nous. Et après, on était rentré. Et sur le trajet, il était rentré dans un hôtel. Il avait réservé une chambre en fait. Ah. Et on dormait pas chez nous, on avait une super chambre avec une baignoire, bon, on avait pas de baignoire. Bah ouais, c'était sympa ça. Elle m'a fait être rincée. Bah ouais. Ouais. C'est con que tu t'en rappelles plus. Bah si, là je. De prime abord, tu vois. Bah les dauphins, meuf, les non, dauphins. Non, mais c'est vrai qu'il y avait un petit peu un niveau avec les dauphins entrelacés. Ouais, c'était pas et mal toi, ça. Et toi, SML ? Ah bah tu sais, moi j'ai toujours les pires souvenirs. Non, mais tu peux t'es pas obligé de nous bien pourri. J'ai pas tellement fêté la Saint-Valentin à part pour me voir offrir un tapis de prière. Oui, donc, ça je sais, mais c'est un souvenir horrible. Ça devait être chouette. C'était pour la Saint-Valentin. Ces dernières années. Ouais, vous le fêtez pas, vous, avec votre chérie ? Bah en fait, je l'ai fêté hier soir. Ouais. Peut-être pour la première fois d'ailleurs. Enfin, on avait fait une année, une Saint-Valentin. On avait invité tous nos copains qui étaient seuls ce soir-là. Je m'en rappelle. Et on avait fait une grande fête dans un bar. Et donc, on était un peu les papas et la maman de tous nos copains. Des gens isolés. Voilà, c'est ça. Mais hier soir, on a fêté la Saint-Valentin, donc c'était vraiment une excellente soirée. C'est quoi, au dîner Ouais, on a mangé des huîtres. Vous êtes mis bien. Ouais, voilà, okay. On a bu. T'as eu un cadeau? Non, j'ai pas eu de cadeau. Je réfléchis, mais je crois pas. c'était hier, attends, est-ce que j'ai eu un cadeau? Non, mais moi j'adore les cadeaux, donc j'en reçois jamais assez. Mais bon, non, mais c'était pas l'objet, quoi. L'objet, c'était de se dire, ah là là, on est vieux, qu'est-ce qu'on est bien quand on est vieux, n'est-ce pas? Et toi, David, t'as un bon souvenir de Saint-Valentin? J'en avais raconté une pendant une émission. Ouais, moi, j'ai eu une totale à base de un chemin de rose avec. Il avait éparpillé des roses autour de lui et s'était mis en tailleur dedans avec des bougies, etc. On était très jeunes. Mais c'était mignon. Sinon, je l'ai jamais. C'est offert en fait. Ouais, c'est offert. C'était un peu le cadeau. C'était en rôle. Il avait mis des miroirs pour se mater quand même. Mais c'était comme dans les films, tu sais, et avec les bougies, et avec la musique, et avec les roses, et machin, etc. Donc du coup, c'était un peu risible, mais c'était mignon en soi. Et j'en garde en souvenir. Sauf que ton toit d'aujourd'hui aurait beaucoup ri. Je me serais vraiment tapé des bras. Non, mais grave. Sinon, souvenir de Saint-Valentin, je ne l'ai pas vraiment fêté, mais je me suis rendu compte, je partage avec vous aujourd'hui que la Saint-Valentin, c'est aussi. Il y a 5 ans, je suis tombée enceinte ce jour-là. Ah. Et donc, du coup, moi, ça va être maintenant mon souvenir de Saint-Valentin. C'est un petit peu l'arrivée de mon fils dans ma vie. La bonne cartouche. Ouais, c'est ça. La bonne cartouche de Saint-Valentin. C'est bien fait Zeb le 14. et ouais. Donc, du coup, 14 maintenant, ça fait. Ah, tiens. Ça fait 5 ans, ça fait 6 ans. Ça fait 7 ans, ça fait 8 ans. Et puis, tralali, tralala. Est-ce que vous conseilleriez aux gens qui nous écoutent de fêter la Saint-Valentin ou d'arrêter tout net s'ils sont en train de le faire? Bah, en même temps, j'ai vu beaucoup de gens aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai déjeuné dans un resto à midi. J'ai vu plein de couples aujourd'hui, ouais. Des gens qui marchaient dans la rue, qui s'embrassaient, tout ça. Alors, je me dis, est-ce que si dans un couple, la routine est là, tu te fais un peu yèche et tout, et que bah, finalement, ça donne l'occasion d'aller dîner, d'aller déjeuner, de prendre du temps, etc.
Pourquoi mais est-ce que pas, c'est pas angoissant, enfin pour vous surtout les hétérosexuels, par exemple vous arrivez dans un resto un peu joli, oui, puis il y a que des couples, ouais, et d'un coup tu te mets à mater, ah, putain elle est mieux et tout, tu sais, ou genre tu dis ah putain j'ai pas le bon en face de moi, enfin ça déclenche pas des trucs de, c'est de remise en question. Non moi c'est plutôt d'être de faire le mouton quoi, clone, de dire ouais, bon ben on fait tous pareil au même moment. Ouais, c'est un peu chaud, mais la vérité c'est que quand on va dans un resto souvent il y a en tout cas si tu fais un resto un vendredi soir ou un samedi soir, mais effectivement il y a ça à la Saint-Valentin. Moi c'est la première fois que je souhaite aux gens aujourd'hui, aux serveurs, aux machins, genre, et je vous souhaite une bonne Saint-Valentin ou un truc comme ça. Et ça, je me suis dit, ah, mais ça, c'est mignon. J'ai croisé aussi beaucoup d'hommes avec des fleurs, roses. Des hommes en noir et blanc, des chapeaux qui couraient avec des fleurs comme ça. Et des gens qui faisaient la queue chez le fleuriste, etc. Et peut-être que je suis pas assez cynique là-dessus, mais moi je trouve ça mignon. C'est pas grave, c'est comme Noël où on se dit on n'a pas besoin d'occasion pour voir sa famille. Ouais. Bah, mine de rien, dans nos vies effrénées, échevelées, etc., c'est bien parfois qu'il y ait des marqueurs voilà, temporels en disant tiens, c'est un petit. Ça oui, peut mais être après, un temps. On peut dire aux gens en tout cas de pas se mettre la pression avec ça. Parce oui, que alors c'est voilà, pas... c'est ça. En fait, je pense que c'est une question de comment tu donnes en fait. C'est-à-dire que moi, parfois, la Saint-Valentin, pour moi, c'est l'image d'un couple qui va chez Hippopotamus et qui remplit. Un devoir de dire ouais. Donc elle a, si lui fait pas un cadeau elle fait la ouais. gueule ouais. Si machin donc il faut qu'il l'emmène donc il ouais, y a un côté il faut si tu donnes c'est pas clair. Avec le cœur alors que si c'est l'occasion de donner avec son cœur alors pff, mais c'est un peu comme tous les marqueurs temporels de type réveillon c'est 31 ouais. réveillon hein, c'est, ouais. Voilà où tu sors quand tu vas dîner ou quoi le soir du réveillon c'est toujours l'angoisse parce qu'il y a des meufs avec des petits talons pratiques pour marcher qui des collants 15 deniers et ils ont rien à se dire mais il fallait faire le menu à 50 balles quoi ouais, donc, ouais. Oui, donc c'est peut-être ça qui est en mais que ce soit le 31 décembre ou le 14 février ou le 22 avril en c'est fait ça. C'est triste et je pense que c'est le lendemain aussi où c'est difficile où t'as assumé que toi t'as pas fait ta Saint-Valentin et si tout d'un coup tu te retrouves dans un milieu où t'as des collègues qui disent bah moi hier soir il m'a fait ci il m'a fait ça et moi elle m'a fait moi, ci elle m'a fait ça et toi tu dis ah moi mon mec il est pas très cadeau et puis je m'en fous là ça va longtemps ça me passe bah, tu vois bien. Et oui. Tu te retrouves à tu te dire ah bon ça m'aurait finalement pas tant dérangé que ça etc donc oui je pense que c'est une forme de pression ouais. Et que c'est cool d'en parler quand ça arrive tu vois en disant si t'es à fond dans la Saint-Valentin que tu le sais comme les gens qui sont à fond dans leur anniversaire je trouve ça cool qu'ils préviennent en disant je te préviens ouais, t'oublies mon voilà ouais. T'oublies mon anniversaire tu m'offres pas un cadeau etc vraiment ça me rend triste d'autres qui vont dire bah moi en fait je m'en fous ouais. Je trouve ça cool de te positionner toi qu'est-ce que tu penses de cette fête et à partir de ouais, là d'en parler qui ça me gêne pas du tout et qui rentre le soir et qui a la main en aumône ce soir en train de regarder PSG c'est Barcelone ce soir ça, c'est un gros match et en plus ce soir il y a PSG Barcelone ouais, et j'adore. Un très gros match pensons pense, une petite ouais. Pensée à toutes ces femmes dans leur cuisine dégoûtées en train d'essuyer là le repas essuyer le repas les bols de chips avec tous les mecs le son de ce match tu sais ce son un peu celui qui monte quand il y a une action. Oh ouais, oh putain à côté. J'espère pour elle que la bonne équipe va gagner en termes d'humeur et d'ambiance post match et de sexe. C'est une chanson ça non une donc, chanson de gynéco. De quoi nanani nanana Doc Gynéco aidez-moi il te baisse plus voilà il ah oui oui Marc Landers s'en tombe à la renverse oui très juste ouais d'accord est-ce que Navo oui. Est sur le chat est-ce qu'il peut m'aider merci beaucoup et... donc ouais. Et attends, j'ai pensé à un truc. Oui bah cette fille par exemple qui est là qui nous cette écoute fille dans ouais, la cuisine et là hein. Elle est contente oui. De nous avoir on peut lui dire est-ce que tu avais témoigner ton désir de fêter la Saint-Valentin. Exactement. C'est aussi. Il y a seulement 15%, normalement c'est Navi qui donne les chiffres, mais j'en ai un, donc j'en profite. Bah oui, vas-y, il y a cocotte. Seulement 15% des couples qui ont choisi de fêter la Saint-Valentin devant justement PSG Barcelone. C'est mignon. Voilà. Ouais, c'est... Mais c'est moins bien quand c'est moi qui donne un chiffre. Mais non, c'est aussi hyper bien. Non, c'est parce que je demande qui c'est qui a choisi la soirée. J'en attendais trop. Non, c'est peut-être qu'il y a 15% de nanas qui aiment le foot, du coup, et qui sont de contentes ouf. De le passer de ouf, ça. Non, mais c'est sûr. Alors, une théorie, c'est que nous, les lesbiennes, en fait, comme on a du mal à parfois rester longtemps ensemble, on fête tous les mois anniversaires. Et du coup, on fête déjà beaucoup de choses. C'est donc, vrai? Tu vois, si on fête les mois anniversaires, les anniversaires... les anniversaires, je veux dire, du couple, de l'une, de l'autre. Ouais, on fait plus ça fait beaucoup de fêtes. Du coup, la Saint-Valentin, c'est presque. Mais c'est prouvé que vous restez moins longtemps Ouais, c'est prouvé.
C'est ouais. prouvé, c'est sûrement en train d'évoluer, mais c'est prouvé dans le sens où le fait d'être, de subir une discrimination, enfin je veux pas parler de trucs tristes, mais fait que du coup t'es fragilisé parce que socialement t'es moins reconnu, donc t'as une pression encore différente. Ouais. Et du coup, voilà. Et en plus, le fait que ce soit plus compliqué de faire des enfants, parce que c'est vrai que quand même beaucoup de gens restent ensemble à cause ou grâce aux enfants. Oui, du coup, tu as quand même un truc. Ben, comme du coup, il y a moins de lesbiennes qui ont des enfants, même s'il y en a de plus en plus, heureusement, ben, il y a un moment où quand t'as une espèce de peut-être d'essoufflement ou quoi. Ouais, tu peux plus vite voilà, te casser le truc de dire ouais, tu de... t'as tes gosses et du coup, t'as oui puis t'as, je pense que ouais t'as aussi ce côté vous avez pas le couple modèle hétéro enfin oui, oui. Nous on a le couple modèle hétéronormé il faut rester etc ayant moins de clichés de cadre oui oui c'est ça, on s'autorise plus de faire mais c'est un mix quoi. En fait où à la fois on s'autorise plus et à la fois aussi quelque part comme on c'est moins facile que ça ouais c'est pas forcément aussi évident de construire une relation mais bon après il y a évidemment des gens qui restent longtemps ouais en tout cas les chiffres sont quand même un peu différents. Sur le chat, nous, on est contentes de vous avoir, parce que pour alors, le coup... Il y avait Navo qui était dans les parages, alors attendez, j'ai lu. Si relation sexuelle s'accorde avec Victoire, ne compte pas sur l'équipe nationale qui foire. Merci il se saoule, il joue au boule. Voilà, il se saoule, il joue au boule. Et sinon, il y avait Bast qui disait, vous savez, il y a aussi des gars qui zappent le foot pour regarder l'émission. Oh mais oui, évidemment. Il a tout compris, le mec. Mais ouais, grave. Vous êtes tout simplement le futur de cette patrie. Ouais. Alors, c'est beaucoup sur vos petites épaules, c'est vrai, mais après, grande réussite, grande responsabilité, quoi. Eh bien, vous savez quoi? Il est temps de prendre l'appel d'une auditrice, oui, En l'occurrence Alicia, qui va nous rejoindre pour nous parler du sujet suivant. Alors, nous dit-elle, les filles, j'ai un problème. Je voulais embrasser aujourd'hui mon crush, mais le problème, c'est qu'elle a un piercing sur le coin de la bouche et je sais pas comment m'y prendre. SVP, aidez-moi. C'est trop mignon. Rappelle l'âge de Alicia. Alicia a 15 ans. Ouais. Elle a 15 ans et elle adore les Mifions. Elle me l'a dit en privé, elle était là. C'est trop bien les Mifions, j'aime trop. Et du coup, voilà, je trouve ça très cool qu'à 15 ans, elle écoute déjà les Mifions. Ouais. J'espère ça cool. que ça va l'aider dans sa donc vie. Donc elle a un piercing sur le coin de sa bouche, donc ouais. Elle va dire un ok, et du coup elle sait pas comment tu du coup on l'appelle, ouais. On va voir comment... Je prépare mon micro pour lui montrer. Et je vais vous raconter un truc pendant qu'on l'appelle. Salut, oui, Alicia. Salut Alicia, je te comprends, j'ai eu un petit déboire avec un piercing de coin de bouche. Oui, bonjour. Que j'ai arraché. Bonjour. Je vais juste mettre en haut-parleur parce que j'ai mon amie à côté. Bonjour. Voilà. D'accord. Bonjour. Ça va les filles, bonne Saint-Valentin ? C'est ton chéri ou... Alors attends Alicia, est-ce que tu nous entends correctement ? Oui. Alors tu es un peu loin, est-ce que tu peux... J'ai vraiment l'impression qu'on est Dockedy Fool pour de vrai. C'est vrai. Là. C'est alors la qualité de l'appel, elle a l'air assez médiocre. Que se passe-t-il ? Est-ce que tu as 5 bars ? Mais c'est pas possible, mais oui j'ai... Ah bah j'ai... Là c'est bon, c'est bon. On t'entend très bien. Donc Alicia, est-ce que tu es avec la personne au piercing en ce moment ? Alors, non. Alors en fait, il y a eu des rapprochements et du coup, cette personne me plaît beaucoup. Ouais. Il y a eu vraiment des assez bons rapprochements et tout. Il y a des moments en fait, il y avait des blancs, on se regardait dans les yeux et on voulait s'embrasser, mais voilà quoi. Mais t'as pas osé ? Oui, j'ai pas osé parce que j'ai regardé son piercing et j'étais en mode oh, mais comment je fais en fait? Tu peux l'éviter. Et il est sur un coin de la. On va dire. C'est... Alors moi j'aime bien visualiser. Donc elle a un piercing du côté gauche, droit. C'est à sa droite. À sa droite, ouais. Donc du coup, oui, ça veut dire que. Mais il est pas sur la bouche, donc la bouche elle est. Ouais. Si. C'est en fait c'est un anneau. Ah. À droite. Mais sur la lèvre, il prend la lèvre. Tu nous vois là, faire ça. Ah ouais. Mais ça. Tu vas le toucher, c'est du métal, c'est peut-être. Ouais, mais elle est pas obligée de la mordre comme un steak bleu. T'as peur de l'arracher. Bon. Non mais oui. J'ai peur de l'embrasser. Ouais. Pourquoi? Mais c'est quoi? Qu'est-ce que ça te provoque cette peur? Mais j'ai peur soit de la faire mal ou de. Ah, de lui faire mal. Mais tu sais, le piercing, ça fait pas mal au bout d'un moment. C'est pas vif, hein. Est-ce que pardon, j'essaie de creuser. C'est la première fois que t'as un crush aussi fort. Est-ce que t'as déjà eu d'autres meufs? C'est pas la première fois que t'embrasses quelqu'un globalement. Non, c'est pas la première fois que j'embrasse quelqu'un. C'est pas la première fois que j'embrasse une meuf ou quoi.
Elle te plaît depuis longtemps ? C'est la première fois que j'embrasse une fille qui est percée à la lèvre. D'accord. Vous avez déjà embrassé quelqu'un avec un piercing anneau dans la bouche ? Non. Moi non plus. Enfin, c'était pas la mode. Moi, c'était pas un anneau et c'était en boîte et j'ai tiré. Je pensais que c'était un bâton fluorescent là, que la personne avait dans la bouche et en fait, j'ai tiré le truc. C'est ce que je commençais à dire au début. Donc, en fait, c'est le flip d'Alicia en fait. Mais c'est ça, mais il faut. Mais non, mais il faut faire comme. Enfin, faut pas faire attention, faut l'embrasser. Ça change rien parce que tu auras ta lèvre contre sa lèvre et puis il y aura cet anneau, mais ça va pas du tout gêner le baiser, je pense. Moi, je crois que je l'aurais dit. Je pense que j'aurais dit j'ai hyper envie de t'embrasser, mais j'ai peur de mal. Jean-Claude verbalisation. Ouais, bah ouais, je suis comme ça. Ça a souvent marché. Et ouais, c'est vrai, ouais, ça, tu veux ça, pas ça lui dire. Ça a marché. Vraiment, en tout cas, je te le dis pour moi, parce que justement, je suis Jean-Michel de verbalisation. Mais j'adore, voilà. Mais moi aussi un peu. Et en plus, je pense que c'est l'occasion de regarder quelqu'un dans les yeux et de lui dire en fait, j'ai très envie de t'embrasser, mais j'ai envie de bien m'y prendre. Et je sais pas trop. Et là, généralement, il y a trois petits points. Et ça va tout seul. Trois petits points dans l'air. Donc je pense qu'il faut pas s'inquiéter, moi. Si non. Ouais. Ah oui, moi je pense que la boucherie à laquelle tu t'attends n'arrivera pas. Bah ouais. À moins que toi-même t'aies un piercing barre en travers de la puce. Un piercing crochet même. Et voilà, et ça fait un jeu de quilles finalement buccal. Et là c'est compliqué, mais sinon je pense que enfin t'avais prévu d'y aller mollo de toute façon sur le. Bah oui, je suis pas une sauvage non plus. Voilà, mais c'est ça. Et tu vois pas le baiser d'Amélie Poulain? Tu sais où il faut qu'on aille de. Pas regarder le film. Bah, c'est un film de vieille, non. Mais oui, l'embrasser sur Poulain, le coin gauche. Juste si tu vois juste la scène de fin, il l'embrasse tout doucement et c'est sur le coin de. Voilà, c'est sur le coin de la lèvre, c'est très délicat. C'est tout aussi sympathique. Tu peux aller de l'autre côté. Ça va être super. De toute façon, je le sais déjà. Je vois la scène. En fait, ce qui nous ferait vraiment plaisir. Vas-y, dis-moi. J'ai peur de lui dire ça parce que genre. À chaque fois, on est tous en groupe, en fait, et on est... Oui, mais quand tu... Attendez, il y a ma mère qui est arrivée. Coucou, madame. Chut, on fait comme si on n'était pas là. Cache ta clope. Moi, du coup, c'est bon, on peut parler. Ouais, ok, super. Ouf, on revit des émotions. J'ai l'impression d'un autre temps. Je suis angoissée, ma mère vient d'arriver. Bonjour, mais attends, je comprends pas, tu dis il y a toujours du monde, mais c'est-à-dire que de toute façon, t'allais pas l'embrasser devant tout le monde. Exactement ce que j'allais dire. Pourquoi pas ? Ah ouais, carrément. D'accord. La meuf en rouge. Mais c'est quoi, si t'es un pirate, soit un pirate aussi sur le piercing, quoi. Parce que toi, t'as moins peur de l'embrasser devant tout le monde que de lui dire j'ai envie de t'embrasser devant tout le monde. Enfin, discrètement, tout doucement dans l'oreille. Ouais, incroyable. C'est drôle parce que c'est. Mais ça, c'est les organisations claniques. De tout temps, tous les hommes ont vécu en clan, n'est-ce pas? C'était plus. Oh, ça va. Non, mais vas-y. Ouais. Est-ce que tu peux. T'as son numéro ou pas? Ouais, j'ai son numéro. Mais vas-y. Envoie un texto. Envoie un snap. Elle est en soirée. Eh bah rejoins-la. Frère, tu fais quoi là? Elle a 15 ans. Mais ça va. C'est mardi soir, non? Y a pas... Envoie un snap, envoie un snap. Mets un filtre avec les lunettes en cas. Tu... Non, pardon. N'écoute pas Bérangère. Non, mais envoie-lui un texto en lui disant que tu avais envie de l'embrasser mais que t'as pas osé. Mais je pense que je vais lui demander demain parce que du genre... déjà, elle m'a passé sa veste et tout. Oh, trop mignon. C'est vraiment trop mignon et il faut que tu en On profites. Va vouloir le follow-up après. Hein. Franchement, elle t'a filé sa veste, ça veut dire ce que c'est ça veut dire. C'est l'équivalent d'un calumet. Mais je crois que c'est pas le... T'as pas peur qu'elle te dise non, t'as peur du piercing. Ouais, c'est ça. Mais t'essayes de l'autre côté. Je pense qu'il faut l'ignorer, faut vraiment faire comme s'il n'y en avait pas. Exactement. T'inquiète pas, c'est bien accroché. Dis-toi que t'aurais vraiment un problème si t'avais peur qu'elle dise non. Ouais. Là, c'est pas le cas, profites-en. C'est clair. Non, franchement, j'ai pas peur de ça. Ah bah alors c'est génial parce que c'est pas tous les Alice, jours comme ça. Go. Oui, Alicia, oui. Vas-y, tu nous envoies un texto, enfin un message sur les Miffions en selfie comme ça, si t'as réussi. Ouais, grave. J'ai réussi, ouais. Et grave. Où ils vont en plus, j'adore l'émission, je vous regarde tout le temps. Genre... Ah
Merci. Je vous jure, ah, j'étais en beaucoup. Russie chez ma grand-mère. Le peu de connexion que j'avais, je regardais votre live. Hein. Ah, ça c'est très très mignon. Putain, merci. T'as eu de la beaucoup, chance, t'aurais pu te faire arrêter avec le vocabulaire qu'on utilise. C'est clair. Roulag. T'inquiète pas, Alicia, ça va aller. Hein. Merci de nous suivre, c'est ouais. cool, merci. Ça nous fait plaisir. On t'embrasse. Bisous. Gros bisous. 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 Ah là là, trop ça fou. Nous a hein. replongé. Ça m'a fait des. Eh, c'est quoi, sa mère a N'empêche, moi à 15 ans, j'étais plus coincée que ça. Hein. Ouais. J'osais pas embrasser une fille devant des gens et tout. C'était carrément. Ouais, j'avoue que. Ça veut dire que les temps changent et c'est pas mal déjà. Ah ouais, c'est bien. T'avais quel âge quand t'as embrassé une meuf la première fois? Ben. J'avais à peu près. Alors, c'est très loin dans la main. Enfin, vraiment embrasser, rouler une pelle, je pense que j'avais 15 ans justement. Mais c'était un truc de fou. J'ai mis 6 mois à oser. Enfin bon, c'était toute une affaire, quoi. J'ai voulu mourir. Tu vois, c'est pas genre j'avais déjà eu 12 mois. Tu vois, t'avais pas peur de ça. Non, mais j'ai envie de blanc, c'est pas ça. Mais... ouais, non. Il n'y a pas de piercing, je peux te dire. Mais sérieusement, on est d'accord que si elle lui a filé sa veste, c'est vraiment pas. C'est ok, ça, on sait. C'est un boulevard. Bien sûr. Ah ouais, là, c'est totalement ok. Go, 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 quoi. Donc c'est trop mignon. D'ailleurs, on va apparemment enchaîner. Avec quelqu'un d'autre. Oui. Ouais. Je crois qu'on reçoit Lucie maintenant. Exactement. Lucie, bonsoir Lucie. Alors attendez, parce que je lui ai dit d'éteindre son live. Eh oui. Parce que sinon, ça fait comme chez Difool. Donc je vous fais un petit topo. Lucie, elle dit j'ai pas vraiment de questions, mais je voudrais partager mon expérience de cette Saint-Valentin assez laborieuse d'aujourd'hui, en couple, mais sans Valentin. Oh oh. Oh, ouais. Ouais. Alors venez, là les meufs, il y a une Girls Intervention. Okay. On va cheer up Lucie. Allez, c'est parti. Ça, j'aime ça. Trop. On dirait le jeu des 1000 euros. Hello. Ah, coucou. Salut. Tu nous entends? Ouais, je vous entends. C'est Lucie? Oui. C'est mais ça. Bienvenue dans l'émission. Salut Lucie. Salut. Ça nous fait plaisir de t'avoir. Moi aussi. T'as envie de parler avec nous? Ouais. Ouais, vas-y, raconte. Alors, moi, ma Saint-Valentin, c'est pas tout à fait passé comme prévu. Mm-hmm. Mon copain est pompier. Et il a totalement zappé que aujourd'hui c'était à Saint-Valentin et donc il a posé une garde. Ah, d'accord. Donc ce soir je me retrouve à faire des mandalas toute seule. Ah d'accord. C'est trop mignon. Est-ce que c'est important? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça va faire un an. Et pour toi c'est donc votre première Saint-Valentin? Ouais c'est notre première Saint-Valentin. Vous en aviez parlé tout ça? Un peu, mais en fait j'aurais dû lui dire que je voulais la fêter. Eh oui. Ouais, t'as pas posé le topo. T'as pas été Jean-Michel Barbalisation. Dit... Bonjour, ce sera important pour moi que tu fasses attention que le 14 février. Est-ce qu'il est de garde toute la nuit? Oui, et uniquement cette nuit en fait. Et il rentre vers quelle heure? 8h. Et toi, tu dois partir au boulot ou que sais-je, t'as un truc de prévu quand il arrive? Ah non, tu peux même pas lui faire un mini truc de mini Saint-Valentin mignonne. Mais est-ce que on sait les garçons c'est pas les pros de l'enregistrement des dates et que les garçons et Océane. Non mais c'est vrai et du coup bon il a l'air d'être honnête et qu'il a pas choisi, il a pas fait exprès et que du coup effectivement t'avais pas toi dit. Absolument que tu voulais la fêter, est-ce que tu peux pas lui demander, lui faire une demande claire en disant écoute voilà j'étais un peu triste, est-ce qu'on peut remettre ça à un autre moment et ça me ferait vraiment plaisir que t'organises quelque chose et tu vous vois, inventez donc, votre sûr. Propre Saint-Valentin. Ouais bah du coup c'est prévu du coup on en a parlé aujourd'hui et demain midi on la fête au restaurant trop mignon. Ouais. Mais du coup ce soir t'es un peu blues quoi, tristouille. Ouais voilà. Bah ouais, mais regarde, t'es avec nous, c'est plus stylé. Franchement, ça claque. Hein. Ouais. C'est plus stylé de la fêter le lendemain midi, franchement. Grave. Tu te serais retrouvé au resto avec tous les autres là qui vont y être. Alors surtout demain, il n'y aura personne. Mais bien sûr, tout le monde va être là, ils vont se caresser la main et ils vont regarder à droite, à gauche, ils n'auront plus rien à se dire et tout. Ouais. Ils auront trop mangé, trop picolé, du mauvais rosé, blablabla. Là, en fait, vous êtes en train de vous faire, tu vois, le contre Uno, tu vois, le Uno. Bon, bah voilà. Ouais. Vous faites un contre Uno de contre Saint-Valentin et en fait, c'est trop stylé parce que déjà, les menus midi sont moins chers. Mais carrément. Et que vous serez unique au monde. Exactement. Avec votre Saint-Valentin du 15 midi. Et alors, est-ce que je peux me permettre de dire que si tu veux un cadeau, formule-le également avant. Avant le 15 février. Voilà, c'est ça. Dis-lui tout de suite, genre. Si même... je lui envoie le guide des roses, ça va. Oui.
très bien. Non, mais voilà, voilà. S'il a zappé, c'est parce que tu lui as peut-être pas dit clairement. En fait, on a tendance à toujours croire que ça va se passer comme si on lisait dans nos pensées, mais faut savoir une règle, ça n'arrive jamais. Du coup, tu te projettes, et après, hop, c'est la déception, et là, ça pique. Ah ouais, c'est clair que c'est pas... Bon, est-ce que tu après te sens mieux? Oui, bah en fait, depuis qu'on en a parlé, du coup, je me suis un peu libérée, mais en fait, c'est le fait qu'il m'ait formulé directement « Non, la Saint-Valentin, c'est commercial, etc. » Alors du coup, ça m'a un peu bloquée pour lui dire « J'aimerais bien qu'on la fête. » Oui. Il y a un petit chat. Bah, c'est un vrai débat, hein, de toute façon. Bah ouais. Est-ce qu'il est attentionné avec toi le reste du temps? Oui. C'est un super amoureux. Bon, bah, c'est sûr. Super. C'est une chance que beaucoup de meufs qui, ça se trouve, se la galèrent en Saint-Valentin avec un mec qui est un peu moins cool. Imagine, etc., donc, je vais te faire un scénario horrible et tu vas pas regretter ta Saint-Valentin. Le mec horrible. Qui te dit bon, ok, on le fait. Ah ouais. Et qui t'emmène au resto et ça part en live et tu rentres et tu pleures dans le lit seul avec l'autre qui te tourne le dos. Ça, c'est une Saint-Valentin de merde. Qui va se branler dans les toilettes avec une photo de ta meilleure copine. Quoi? Non, attends, moi j'ai une question que j'aurais à te poser. C'est pourquoi c'est important pour toi, vraiment, sincèrement, j'arrive pas très bien à comprendre. Pourquoi ça compte pour toi? Qu'est-ce que t'aimes bien dans la Saint-Valentin? C'est un peu dans la culture, c'est comme un anniversaire, mais enfin, au moins. Ouais, mais un anniversaire, c'est quand même personnel, c'est ta date de naissance et tout. Ou... C'est l'anniversaire de l'amour. L'anniversaire de couple, c'est quand même. Ça raconte quelque chose de toi et de l'autre personne, mais la Saint-Valentin. C'est comme Noël. Oui, voilà, oui, c'est voilà. Plutôt... Est-ce que vous fêtez votre anniversaire de couple? Bah, là, on n'a pas encore eu l'occasion. Ah, ben oui, bien sûr que ça fait pas un an. Je suis bête. Elle est nulle, celle-là, ou quoi? Aïe, aïe, aïe. Non, elle n'écoute rien. Ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre. Mais c'est vrai, y a un truc de cet ordre-là, genre, bon, voilà, ça se fait, donc vas-y, on le fait, mais quelque part, pendant que Bérangère se met du vernis, c'est vraiment trop mignon. Je profite de cette soirée, parce que j'ai rien à faire, sinon je vais toujours faire pipi, et ouais. Mon vernis se... T'as raison, voilà. J'ai ramené des masques pour toute la tablée. Non, mais bon, voilà, quoi, y a quelque chose où il faut se demander aussi si on est vraiment fâché parce qu'on est fâché ou si on est fâché parce que la société en entier nous a dit sois fâché à ce moment-là si ton zom ne t'offre pas des fleurs et des chocolats. Alors, il faudra qu'on revienne, j'ai un débat interne sur le fait d'offrir des chocolats. Bon. Oui, c'est vrai que tu t'es posé la question. En attendant, tu vas bien quand même? Tu nous entends? Oui. Et tu vas nous regarder ce soir, on va essayer de te faire rire. On va te divertir. De temps en temps, on fera des big ups à Lucie et demain. Et franchement, demain, toi, tu déjeunes avec ton amoureux et vous vous aimez demain à midi au resto. Je te jure que c'est bien mieux que... Un saut des beaux sur un coin de table au bureau. Exactement. Que ce que j'ai prévu, moi, demain midi, par exemple. Et en plus, ça veut dire que demain midi, il y a tous nos amis fionneurs, si je vais quand même la tenter. Il y a tous nos amis fionneurs qui diront « Ah, pendant que nous, on fait nos trucs, il y a Lucie qui est en train de déjeuner avec son gars. » Ouais, et du coup, c'est mignon. On va tous t'envoyer de l'amour. Enfin, à vous deux, d'ailleurs. Ouais. Donc, c'est cool. D'accord? En attendant, bon mandala. Ça détend. On te fait des bisous. Bisous, bisous Lucie. À bientôt. Salut, merci. Pendant ce temps, Bérangère Kiev ne met pas de biscotte. Et ça me rend malade. C'est quoi ton débat interne en attendant? Parce qu'on va avoir un autre appel. Bon. Mais toi, tu t'étonnais qu'on puisse... Offrir des chocolats à la Saint-Valentin. Parce que pour toi, c'est pas un cadeau. Bah non, pour moi, des chocolats, ça fait partie des courses. Quoi. C'est pas genre... Non, bah, ça dépend quel chocolat t'achètes. Bah enfin, franchement, un bon chocolat, je suis pas contre. Ouais. Mais en c'est cadeau, très bon chocolat. Genre le cadeau, c'est des chocolats. Ouais. Tara, je suis pas d'accord. Hein. Moi, j'ai de plus en plus de mal à dire ce que je veux comme cadeau, et surtout de la part d'un mec. Tu veux trop de trucs? Non, pas tellement en fait. Non, c'est parce que tu te les prends, toi. Par exemple, du temps. Ouais. C'est un cadeau, La meuf, c'est en train de devenir Florent Pagny. Du temps, une plage et un cheval. Mais c'est parce que tu peux la Patagonie, quoi. Tu t'achètes des trucs, etc. Tu te fais plaisir, en fait. C'est aussi pour ça. Du coup, Rapproche-toi du micro, mon vieux. Oui, parce que oui, c'est vrai que peut-être je me fais plaisir et que. Ouais. Mais je sais pas. Tu vois, te dire ouais, j'aimerais trop qu'il m'offre ça ou je sais pas. Mais je l'ai jamais vraiment fait, en fait. Soit qu'il faut qu'il trouve une idée de génie. Et potentiellement, je peux être déçue. Parce que je trouve que... Enfin, en tout cas, souvent, les garçons que j'ai eus qui m'ont offert des bijoux, ça n'a jamais été le... Non. C'est toujours un peu compliqué. Mais personne, les bijoux, hein.
personne. Si, personne, moi j'ai vu des bijoux, j'ai vu des cadeaux, des bon, cadeaux bijoux. Tu penses pas que précis. C'était orienté et commandé au préalable? J'ai vu des mecs très forts. Un très bon niveau. Je n'y crois pas. Un joli seule niveau. Seconde. Mais peut-être qu'ils ont, ils ont demandé à leur sœur. Ouais, ou ouais, voilà. Tes cadeaux, toi, Océane, t'aimes ça? Moi, je suis une contrôle fric, donc j'aime bien tout contrôler. Elle me dit ça avec un regard tellement inquiétant que même moi, je me sens contrôlée soudainement. Pardon. Et du coup, j'aime bien qu'on m'offre des trucs que je veux. Parce d'accord. que par exemple, ma mère, tous les ans, mon anniversaire, elle essaye de m'offrir des cadeaux cool. Et une cata. Et je veux dire, mais maman, il y a tellement de choses dont j'ai envie. Ouais. Je suis tellement une horrible consumériste, tu vois. Ouais. J'adore la vaisselle, j'adore les trucs de. Enfin, tu vois, j'ai genre ouais. plein de trucs que tu peux offrir. Et d'ailleurs, là, je crois que cette année, elle va. Enfin, on en a déjà parlé et elle ouais. va m'offrir un cadeau génial. Enfin, tu vois, qui est sous contrôle. Mais c'était quand même son idée, tu vois, mais sauf qu'il y a eu une discussion. Donc, en fait, les cadeaux, au sens. Les gens qui règlent des cadeaux, ça m'angoisse toujours un ouais. peu. Parce que et alors l'autre truc relou, c'est quand tu fais une fête aussi par exemple d'anniversaire et que t'as plein de gens qui viennent et qui te font tous des cadeaux et t'es bourré, tellement bourré, tu ouvres les cadeaux, tu fais hey, merci, tu dis bonjour à tout le monde, mais en fait t'es ouais. bourré et après t'as plein de cadeaux, tu ne sais pas du tout qui t'a offert quoi, tu vois, ce truc là et ouais. tu sais pas comment remercier, t'as plein de livres, tu sais pas du tout qui a offert quel livre. Ah, il faut signer à l'intérieur des livres, bien sûr, il faut signer à l'intérieur des livres, des vêtements, des livres, des chocolats, dire c'est moi qui ai offert. Moi je sais que plus je vieillis, plus j'aime les trucs un peu perso. Ouais. Genre fabriquer, alors est-ce que c'est parce que j'ai un enfant de 4 ans et que donc du coup je... mais fabriquer de qu'on est ouais qu'on est passé du temps à faire un petit truc ouais. Plutôt que de me l'acheter, ou je bah c'est cool hein, je dis un pas pull. Que j'aime pas recevoir des cadeaux, mais à la limite je commence à être beaucoup plus touchée par là le loisir créatif ouais. un scrapbook. Ça c'est parce que tu m'as non, jamais alors... rien vu fabriquer. Je veux dire, si tu me vois fabriquer alors, n'importe quel objet, tu préférerais que j'aille dans un magasin. Eh bien, c'est pas pour l'encenser, mais parce qu'elle est là. Mais pour mon anniversaire, Sophie Marie, elle a ouvert un compte Instagram et elle a contacté tous mes potes et mes proches. Et tous mes potes ont posté des photos, des petits souvenirs de moi, de machin, etc. Ça. Sur ce compte Instagram secret. Le soir de mon anniversaire, elle m'a donné les codes et j'ai découvert donc tout un compte Instagram avec plein de potes qui avaient des tellement stylé, voilà. tellement voilà. classe. Ça, c'est pas un cadeau ça, d'argent, oui. de paquets, etc. Oui. Mais ça me touche oui. beaucoup plus que des chaussures ou des trucs comme ça, oui, ou même sûr. Une place pour un truc. Parce que ça, en fait, j'aurais pas pu le faire. J'aurais oui, pas pu comprends. Appeler les gens en disant « Vous pouvez me faire un compte Instagram avec des ah, mots d'amour, des trucs comme ça ?» Alors que les chaussures, je peux peut-être oui. me les acheter quand j'ai une carte bleue. Et alors, j'ai une question. D'accord. Est-ce qu'on peut aussi faire un stropole éventuellement, ouais. Louise Ounette ? Oui, tout à fait. Un sondage. Un sondage. Ah, est-ce que vous préférez en général un cadeau de la part de quelqu'un, un cadeau matériel, ou une place, ou un truc, hein, un cadeau, quoi, ou du temps de sa part ? Je crois que moi, ma réponse est claire. Voilà, c'est ça qui m'a dit. Non, mais... Ah, je sais pas... Bah, disons que ça dépend, est-ce qu'il faut choisir, tu vois, c'est-à-dire est-ce que ça dépend, quand t'es avec quelqu'un qui a très peu de temps et qui est très peu présent, c'est, je pense que tu vas vouloir dire, bah viens juste on part en week-end à rien ouais. foutre, bon, voilà, et plutôt que de m'offrir plein de cadeaux alors que t'es pas là. Alors bon. si tu l'as sous le pif, tu l'as sous le pif, c'est moi, qui est au 35 sur le heures, canapé. Bah t'as vraiment rien à foutre de son week-end, s'il est au chaume nu, qu'il faut et rien merde, et la vaisselle, je préférerais bien un petit cadeau là. T'as un bon cadeau à toucher une, là, une petite prime. Oh. Ouais, voilà. Même parce que les cadeaux, c'est dangereux. Hein. Tu peux très mal prendre un cadeau. Mais, tu peux vraiment. Mais je crois que, enfin, c'est de manière générale. Mais j'ai une copine qui a fêté son anniversaire et il y avait un projet de cadeau commun et ça allait pas du tout. En fait, elle a su ce que c'était et en fait, elle me dit mais c'est pas du tout. Et elle aime dire bah moi j'aimerais m'acheter ça. Ouais, tu vois, j'ai vu un sac, il me plaît trop et on se cotise tous et on lui paye ça. Et en fait, on en a parlé. J'ai trouvé ça bien de se dire en fait c'est pas démocratisé ce truc là de dire. En fait, la personne voudrait oui, ça. Ou échanger ses cadeaux, c'est la très mal vu. La personne nous a dit qu'elle voudrait ça. Ouais. Et ben voilà, quoi. Plutôt que de dire, on va faire une surprise qui peut-être va de prendre tous les risques, claquer plein de thunes. Non, c'est pour ça, je suis vraiment pour savoir d'avance. Ouais. La verbalisation, on y revient. Ouais.
Est-ce que je peux partager alors je suis en train de parler avec plein de personnes sur Skype, c'est trop cool, il y a plein de monde qui cool. nous ajoute pour nous poser des questions. Mais il y a Marie qui a pas forcément une question mais je trouve ça trop chou. Elle dit pour la Saint-Valentin, j'ai envoyé des lettres d'amour, des vraies avec des dessins dedans à toutes mes potes et mes proches. Et c'est la meilleure Saint-Valentin depuis longtemps. Et sinon je suis en pyjama devant l'émission. C'est trop mignon, c'est carte de vœux mais de c'est l'amour en général. C'est super. Bah, je trouve ça trop adorable. Ouais, c'est vrai. C'est super. En fait, big up. On devrait avoir jusque là pour envoyer des cartes de vœux. Et d'ailleurs, on devrait envoyer des cartes de vœux. Ouais. Ça c'est clair. C'est je vous dis ça avec un sourire un peu sardonique, mais pourquoi on devrait? Bah parce que c'est stylé. Ouais, c'est vrai que c'est stylé. Mais moi, parce qu'il faut le faire, ça me. Non, mais t'es pas obligé de le faire entre le 31 décembre et le 31 janvier. Ah oui, de en fait, globalement, écrire. Écrire, c'est vraiment cool. Ah oui, cool. D'accord, ok. Ouais. Oui, je suis d'accord. Je croyais que c'était la carte de vœux de bonne année, de machin. Non. Ouais. Avec un paysage enneigé. Et, tu sais, ouais, genre, toute la petite famille va bien. Ouais, c'est mignon de recevoir une lettre. C'est vraiment cool. Hein. Moi, j'aime bien. Ouh là là, c'est cool. Est-ce qu'on a quelqu'un? Alors oui, on a quelqu'un. Alors, on a plusieurs personnes. On a 1000 personnes. J'ai encore un autre truc. Samuel, je suis en train de on parle de flow en MP parce que on est sur Internet, on est connecté. Et du coup, il veut pas passer à l'antenne, mais il fait un truc trop chou. Alors, en fait, c'est une demande pour la Saint-Valentin. Il aime bien une fille qui aime vraiment beaucoup Mademoiselle et qui loupe aucune émission. Et du coup, elle est sur le forum, elle lit les articles. Il y a toutes les meufs là qui sont en train de regarder. Lui, c'est moi. Du coup, il s'appelle Florian, il a 16 ans. Salut Florian. Vraiment, salut Florian. Trop adorable. Tu es bachelor, Florian. Il voulait demander à Célia si elle voulait se mettre en couple avec lui. Oh, c'est beaucoup Célia trop dit oui. Célia, si tu es parmi nous. Ouais. Célia, c'était pas au resto avec un autre mec. Avec une oreillette en discrétion de l'émission. Son gars lui parle, elle dit « Oh putain, d'un seul coup de cette aux toilettes. » Je vais pas pouvoir rester. Pour éviter qu'elle re-scrolle. Donc, on a donc un Florian. Elle peut nous écrire, Célia, si elle se reconnaît. Bah oui, surtout à Célia en ligne, il faut qu'elle nous envoie un message. De l'émission. Et donc, normalement, elle est là. À Célia. À Célia. Donc, ils sont du Nord-Pas-de-Calais. Voilà. Du Nord-Pas-de-Calais, très d'accord. Bien. Est-ce que tu veux. Je fixe la caméra. Oui, je fixe la caméra. Est-ce que tu veux donc sortir, s'il te plaît, avec. Te mettre Florian. En couple, s'il te plaît. Ouais. Tu on sais que sortir, ce genre de mec qui propose ça est très rare aujourd'hui. Ouais, c'est clair. À nos âges. C'est clair. Est-ce que un tu veux construire. Se mettre en couple. À 16 ans. Est-ce que tu veux construire avec moi? Putain, dis oui, meuf. Vraiment. Expérience. Tu sais que plus tu vieilliras et moins ce projet se proposera à toi. Donc, saute sur l'occasion. Oh. Je pense à ce que je vais faire demain midi. Et d'ailleurs, je penserai au petit couple là qui est trop chou. Saint-Valentin. Mais ouais, donc est-ce que tu veux? Et puis on se reparlera de tout ça. Parce que bien sûr, on veut le feedback de toutes vos histoires. Parce qu'il y a un moment où. Photos, tout. Ça fait le sel de la vie quand même. Vous pouvez nous envoyer des albums photos chez Mademoiselle si vous voulez. Pour nos vieux jours. Pour nos soirées seules. Ah, c'est super. C'est ça. Écoute, ouais, et il y a des couples. Moi, je veux bien savoir dans le chat s'il y a des couples qui passent la Saint-Valentin. En écoutant. Voilà. Et s'ils veulent qu'on aborde un sujet. Parce qu'il y a aussi ça. Beaucoup de couples regardent l'émission pour justement aborder des sujets qu'ils aborderaient pas naturellement. Ah, c'est chouette. Mais comme, par exemple, ouais, voilà, ça peut être, je sais pas, une émission sur la sodomie, par exemple. Ils commencent à dire ah, ouais, regarde l'émission, elle est cool, on rigole. Et toi, puis après, bon, toi, comment tu situes par rapport à ça? Voilà, quand elle a dit que. J'ai trop rigolé, hein, trop vrai, je pensais pareil. Et toi? Le truc de ok, très bien. C'est donc, bien. Donc, c'est cool. Et d'ailleurs, vous êtes beaucoup à nous proposer des thèmes d'émissions. Et ça aussi, c'est chouette. Tout. Vous proposer des sodomies. Nous sodomes. Nous déclinons. nous vous remercions pour la sollicitation. Est-ce que vous savez que 15% des Valentins ou des Valentines ce soir offriront un cadeau d'ordre à caractère sexuel, genre du lube, genre des meubles, passage du désir, un bon pour me faire l'amour. Putain, les bons. Ah, j'avais acheté ça, un truc. Alors un peut-être que Célia est là. Ah, on a une piste. Ah, parce qu'il y a des gens qui font genre c'est moi, mais c'est genre là je crois qu'on a une piste. C'est pas sûr. Cela dit, il y a Navo. Il y a Navo sur le chat qui dit moi aussi je propose à Célia de sortir avec moi, proposez-lui tous qu'elle choisisse en connaissance de cause.
La meuf, elle a un panel, quoi. Est-ce... Mais sinon, tout le monde trouve ça trop chou. Voilà. Bah, c'est beaucoup trop mignon. C'est trop mignon. Donc, ouais, on en est où, là, de nos... Les cadeaux sexuels. Non, excuse-moi, Bérangère était en train de dire qu'elle avait acheté un chéquier. Non, il y a un chéquier, au passage, je voulais dire. C'est un chéquier où t'as des pré-remplis et des pas pré-remplis. Ouais, je vois. Attends, tu peux m'expliquer ça, quoi, des pré-remplis? Peut-être tu vas te toucher, mais voilà, un peu. Ah oui, non, mais c'était il y a longtemps, tu me demandes, mais c'était il y a 4-5 ans. Non, même c'était plus. C'était déjà l'euro. Il y a deux saisons de Game of Thrones. En fait, ça se présente comme un chéquier, et à la place du montant, il y a écrit « Une nuit avec toi à la campagne ». Tu n'es pas une marchandise, Bérangère. C'est vrai que ça fait un peu ça. Non, mais c'est vrai que ça fait... C'est une sorte de bon pour. Ouais. Mais est-ce qu'il y avait des bons pour des objets du magasin? Non. Non, c'était juste acheter un truc. Tu dépenses de l'argent pour dire à quelqu'un que tu vas... Mais c'est ton chéquier à toi, tu achètes le chéquier. Ouais, c'est ce que je dis. Et après... Tu dépenses de l'argent pour acheter un objet qui donne des choses qui n'ont pas de valeur, à part d'avoir des idées. Oui. C'est une vraie arnaque, c'était vraiment une arnaque. Attends, moi, ce que je veux savoir, est-ce qu'il s'en est servi? Oui. Est-ce qu'il t'a déjà tendu un chèque? Est-ce que t'étais dans le mood? Non, je sais pas s'il y a eu le truc de genre bonjour, j'aimerais encaisser mon chèque. Endosser, signer au dos et tout. C'est drôle, hein. Oui, on joue à la banque. Oui, mais bien sûr, on a tous eu à un moment dans notre main des dés. Sexuels, est-ce qu'on les a achetés ou mais pas? Mais est-ce qu'on joue vraiment à mordre la couille, tu vois? C'est vraiment. C'est ça les. Moi j'y ai joué, mais c'était. Moi, il y a de mordre la couille? Non, ouais, mais des fois c'était dégoûté parce que c'est genre pincé, le pied était là, genre non, c'est pas ça que je voulais, tu vois, tu le rejettes. Ça n'a aucun sens, mais là. M'en fous de tout, mais c'est mieux de faire une cocotte, c'est plus marrant. Non, c'est aussi marrant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, mais c'est aussi marrant. Oui, c'est aussi marrant, d'accord. Moi, je vous laisse. Moi aussi, je vous laisse. Je suis pas dans le monde. C'est dubitatif, là. Il y a des jeux. Oui, effectivement. Bah, de toute façon, ils font effectivement de plus en plus avec la recrudescence du marché des sextoys et de ce genre de choses. La fin Saint-Valentin, avant, il y avait l'histoire d'acheter de la lingerie et des machins, etc. Mmh. Mais depuis tout à l'heure, je me rends compte que c'est des cadeaux pour les femmes. Est-ce que. Là, tout ce dont on parlait, les fleurs, etc. Oui. Bon, toi, tu t'es. Voilà, machin, mais. Moi, j'offre. Mais... j'ai l'impression que. Bah, je m'offre moi déjà. Cas, déjà, merde. Est-ce que vous avez déjà, du coup, offert des fleurs à vos chéris? Non, moi, j'ai jamais offert de fleurs. Et toi, t'as offert des fleurs à des mecs? T'aimes bien? Ouais, c'est beau, j'aime bien les fleurs. Moi, j'adore, mais. T'as déjà offert des fleurs à des garçons? À des copines, moi, j'aime bien offrir des fleurs. Ou à des meufs? Dans ma oui, je l'ai fait il y a longtemps, je le faisais. Maintenant, je le fais plus trop parce que ça me rend un peu triste parce que ça meurt. Ouais. Pareil. Et mais par coup, contre, j'ai c'est encombrant. Ouais. Donc, j'aime bien en recevoir aussi, mais c'est vrai que je suis très contente au début, puis après, ça commence à être tout pourri, ça sent mauvais. Comment je les sors, je me pique. Ça pue. Donc, je suis pas à 100%. Moi, j'ai déjà fait envoyer un. Le vidage, il est affreux. J'ai fait envoyer un bouquet, moi, au bureau de quelqu'un. Et ça, c'était cool parce que j'ai toujours rêvé. Tu sais, t'as ce truc dans les séries où la meuf reçoit au bureau un énorme bouquet, etc. Et donc, à mon mec à l'époque, je lui ai fait envoyer un grand bouquet. On était depuis longtemps ensemble. Hein. C'était pas genre, je le connaissais pas. Et depuis 4 jours. Ouais. Voilà. Donc, ça va. On était presque mariés. Non, ça faisait genre 2-3 ans qu'on était ensemble. Et je lui ai fait envoyer un gros bouquet de fleurs. Comment à ils son réagissent, travail. Les mecs qui reçoivent des fleurs? Il a été hyper ému parce qu'il m'a dit c'est la première fois de ma vie qu'on m'offre des fleurs. C'est vrai qu'ils ont pas l'air. Et il me dit c'était hyper émouvant et tout le monde me demandait mais qu'est-ce que c'est bizarre, t'as reçu des fleurs mais t'es un garçon quoi. Ils étaient perturbés, lui il était trop fier, il avait donc c'était mignon. Oh là, pourtant j'aime pas les fleurs coupées. Moi ça n'a rien à voir hein, mais j'ai rencontré une femme cet été qui était dans une histoire très passionnelle sur 25 ans avec un homme avec qui elle a été puétée, qui l'a trompée, qui est partie, et elle lui a envoyé à son travail une boîte à thé contenant du caca. Son caca. C'est génial. Mais non. Ça, c'est cool. J'étais assez fan de cette femme qui a envoyé son caca. Ouais. À cette personne. Elle a chié dans une boîte. Elle a chié dans une boîte et elle lui a envoyé. J'ai un petit problème logistique de récupération du colis. Quand elle l'a envoyé, elle l'a envoyé comment? Dans une boîte. Mais avec qui? Par un livreur ou par la poste? Ah, je sais plus. Si je crois même que ça peut être la boîte. Par un coursier? Un coursier. C'est une boîte à thé. Oui, c'est une boîte à thé. Tu vois, c'était. Ah ouais, c'est une jolie boîte. Genre, tenez, une boîte à gâteaux, une boîte à biscuits. Ah, elle m'a dit que c'était un joli truc.
Des de lacres oui. Au bout de 25 ans. Et ça, est-ce qu'elle l'a signé ou pas? Bon, parce que bon, après, avec. Je pense qu'il a compris qui c'était, a priori. Ouais. Et au boulot. C'est génial. Fan de cette histoire. Incroyable. Elle devait l'avoir mauvaise. Hein, pour oui, vraiment pas... il a dû faire de la merde. Bah oui, oui, c'est pour ça qu'elle lui a envoyé. En même temps, c'est tellement, enfin, je sais pas, énorme qu'une nana qui t'envoie du caca au bout de 25 ans, mais je sais pas, tu l'aimes, non? Bah ouais, je pense que tu t'envoies vraiment. Génial. Mais par contre, à un moment, ça veut dire que t'as chié dans une boîte. Donc il y a un moment où tu t'es retrouvé quand même à quatre pattes au-dessus de ton truc de lacre en disant. Il va sa gueule. Puis il faut viser, ou alors t'as une douille. Sur des cupcakes. Un cupcake. Et le week-end d'après, il y a ta nièce qui arrive et qui dit « Tata, on fait des gueules !» Non, repose ça. Poche à douille. Très bon, très bon. Les bon. Filles, ouais. Ça fait une heure qu'on parle. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse une petite pause musicale avant de reprendre la libre antenne? Oui, tout à fait. Exactement. À tout de suite, tout le monde. À tout de suite. À tout de suite. Touching the sky, my day seems a bit brighter now. Taking a flight, I'm gliding and it feels so right. I won't be jaded, it won't be wasted. Golden mile of rising the sun, I won't be jaded. Let me tell you once again, I wouldn't trade a thing I've gained. But in the end, don't tell me this is just a plan. In the scheme of things, I'm seeing it all clearer now. Jaded, it won't be wasted. Golden mile of rising the sun, I won't be jaded. We'll leave things fading. Let me tell you once again, I wouldn't trade a thing I gained. Whoa, oh, oh. Non,
Oui, pardon. Du vin. C'est du yogiti. Ah oui, je me soupçonne de me bourrer la gueule pendant les micros dans un mug. Couvert de thé. T'as raison, t'as senti le raisin ou un truc comme ça. Moi, j'ai mis un strepsil à la fraise dans ma bouche, donc je sais pas où tu as senti le vin. Est-ce que ça existe, les pastilles au vin? La meuf en pleine forme. Super. On peut en fabriquer, tu sais. Bah, un glaçon, quoi. Enfin, bref. J'aime les cadeaux fabriqués. Allez. Voilà. Alors, il est 22h08. On va essayer d'aller jusqu'à 22h30 parce qu'on va essayer de faire une émission un petit peu plus courte aujourd'hui. Ouais. Jusqu'à 22h30, bon, on peut dépasser si vraiment, hein, mais on va prendre vos témoignages, vos questions, vos appels. Et on commence. Ça y est, Célia m'a ajouté. Oh, oh, retournement de situation. Attention. Flash quoi, news. Quoi, 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 c'est Célia, elle a fait quoi? Elle m'a ajouté sur Skype, ça y est. Oh. Excusez-moi, oui. Je prends un strepsil. Alors, attendez. Célia, moi aussi, je fais comme Navo. Comme Navo. Je te propose de construire un projet avec moi. Donc, bah, si tu choisis Flo, ok, mais sache que tu passes à côté de quelque chose de grand. Bon, je lui laisse un petit peu de temps pour me débriefer si elle veut bien qu'on l'appelle, etc. Ouais. Qui est-ce que vous voulez appeler, les filles, du coup? Eh bien, on n'a qu'à appeler Marie. Marie, très bien. Alors, Marie qui dit. Ce n'est pas par rapport à la Saint-Valentin. Ah oui. Elle est amoureuse d'une de ses copines qui est au courant, mais qui est hétéro. Alors elle veut savoir comment rester amie avec elle sans qu'il n'y ait de gêne. On appelle tout de suite Marie. Allez, ah, j'ai tous connu la friendzone. Oh, c'est beau. Ce petit pays. ce plat le continent. Pays, ce plat pays très très Marie. Grand. Allô? Pas de Marie à l'horizon. Alors elle a répondu, mais on ne t'entend pas, Marie. Écoute, on te rappelle, on essaye, exactement, j'adore, j'ai vraiment l'impression d'être chez Deep Fool. On te rappelle dans quelques minutes. Et du coup, en attendant, on va prendre Marine. Alors Marine, laissez-moi chercher dans mes 1500 contacts. Voilà. Marine, pour vous résumer, elle a rencontré un gars samedi et c'est grave un crush, je la cite, mais elle ne sait pas du tout comment lui faire comprendre, sachant qu'elle reste dans la ville jusqu'à fin avril. Elle demande si ça vaut vraiment le coup, sachant qu'après elle part en stage et qu'ils n'ont pas vraiment d'avenir. Thérèse Bou. Oh là là, mais c'est des sujets, on se dit oui, mais on dit non, mais oui. Saison 4, est-ce que ça fait. Ne prends pas cet avion. Ouais, exactement, c'est exactement ça. Ce sujet. Ça fait totalement ça, ouais. Allez, on appelle. On appelle Victor Newman. Enfin, je veux dire Marine. Allô. Allô. Coucou. Salut. Hey. Bonsoir. Coucou Marine. Alors, ça va? Alors, ça va super bien, et vous? Oui. Bah oui. Bienvenue en direct. Ça fait plaisir de vous entendre. Oh, bah ouais, bah nous aussi. Et nous alors. Et félicitations pour ton crush de samedi, ça fait plaisir. Ça s'est passé comment? C'est dans quelle ville déjà? Pardon? C'est dans quelle ville que vous êtes? À Nantes. Bonne ça c'est bien. On aime bien. On valide. C'est ma team. C'est tu sais que j'ai vécu à Nantes pendant quelques temps. On adore Nantes. C'est super. Tout comme Xavier Dupont de Ligonnès. Merci pour cette référence. Toujours de l'amour, du partage et des petits cœurs. Alors vas-y, raconte-nous un petit peu. Et ben en fait, c'est un ami d'un ami. On s'est rencontrés jeudi. On est parti boire un verre ensemble. Et il est très très intéressant, c'est un garçon très intelligent, et en fait samedi on était à une soirée chez notre pote en commun. Soirée appart donc. Exactement, enfin dans une maison. Ouais parce qu'à Nantes c'est une maison, d'accord. Parce qu'à un moment il y a la cuisine qui va venir en... Ou la salle de bain. Et ben voilà, après je sais pas du tout, j'ai pas réussi à prendre la température, donc je sais pas du tout lui de son côté... ce qu'il en est, mais en fait, avant qu'il reprenne le train pour rentrer chez lui, je lui ai proposé qu'on se voit. Du coup, on s'est vus à la gare avant qu'il parte. Et on a un petit peu discuté, rien de bien concret, mais il m'a quand même sorti un truc en me disant qu'il avait passé une bonne soirée, qu'il était content d'avoir rencontré plein de personnes, particulièrement toi, m'a-t-il dit. Bah, okay. C'est pas mal, beau gosse. Bah, déjà, de base, vous avez rendez-vous juste avant qu'il parte à la gare. Personne ne va à la gare plus tôt à Nantes pour boire un café ou que sais-je. Donc déjà, on est sur une jauge de 41% sur 100. On a une bonne première marche. Mm-hmm. Ensuite, il y a effectivement... le particulièrement toi. Voilà, ce qu'il a verbalisé très clairement, particulièrement toi. Bérangère est trop contente. Sur un clin d'œil. Bérangère, elle adore. Elle valide à fond. Comment vous vous êtes séparés du coup?
Bah, il est monté dans le train. Fait la bise. En voilà, fait, vous êtes assez, fait la bise. Pardon. C'était assez, assez bizarre parce que lui, il restait droit. Et il y a un moment où il fallait vraiment se dire au revoir parce que sinon, il allait rater son train. Du coup, j'ai tendu ma joue un petit peu vite en faisant hey, salut. Et voilà, c'était un peu nul. Mais... Non, oui, là, si on se roule une pelle, ça va vraiment être bizarre. Vous avez échangé vos numéros est-ce que Oui, on avait échangé nos numéros et du coup, je lui ai renvoyé un message hier parce qu'il m'avait parlé. D'un chanteur et du coup je lui ai dit ah j'ai écouté c'est pas mal et on a un peu parlé mais il a pas l'air d'être très très message okay. Du coup c'est assez compliqué je sais pas du tout il a et en fait mon souci c'est qu'en avril je quitte Nantes parce que j'ai un stage à faire et en fait je vais plus rester là-bas et du coup c'est un petit peu compliqué parce que j'ai pas non plus envie je sais pas si j'ai très envie de le revoir, j'ai très envie qu'il se passe quelque chose, mais je suis un petit peu justement. Ouais, mais tu sais, après, c'est quoi, ça c'est. Bah, tu sais, la vie après, oui, tu vas partir, il va se passer plein de choses dans ta vie. Mmh. Alors, du coup, si tu calcules à chaque fois en te disant que là, tu vas bouger, du coup, tu t'empêches de vivre. Est-ce que si au fond de toi, tu as très envie de le revoir et que. Il se passe un truc, laisse les choses se faire. C'est et puis peut-être que ce sera une très belle histoire jusqu'à fin avril. Peut-être qu'après, il a peut-être envie de déménager. Enfin, on ne sait pas, en fait. Ouais, et puis peut-être que finalement, il ne va pas te plaire. Enfin, tu vois, je trouve ça dommage de s'empêcher. Non, mais c'est vrai, ça se trouve, dans un mois, t'en as marre de lui. T'as fait le tour. En fait, il est con. Enfin, tu vois, des fois, on peut être un peu sous le charme. Enfin, je sais pas. Oui, ça m'est déjà arrivé d'être très attiré par quelqu'un. Puis en fait, après, en fait, ça retombe. Tu vois. Donc, je trouve ça dommage de trop se prendre la tête. Quoi. Vaut mieux déjà y aller. T'empêches pas de vivre des choses. Passé, oui, des fois il y a le maître en palais. C'est vrai qu'autour de la gare de Nantes, il y a une magie un peu qui s'opère. On le sait, ça c'est ça, c'est les bords de l'herbe. Non, en vrai, si c'est une vraie histoire, vous la vivrez à distance pendant un temps. Voilà, tout peut arriver. Mais quand même, j'ai une question concernant ces réponses parce que c'est toi qui l'as relancé lundi, donc avec un prétexte fallacieux musical. Est-ce que le différentiel entre vos textos est assez équilibré? Non, lui c'est un garçon, il aime pas écrire. Mais est-ce qu'il t'a répondu? Il a mis combien de temps à te répondre, par exemple? Ah ouais, il est plutôt long, hein. le premier message, il a mis à peu près 10 minutes et après, il a mis 2 heures. Mais ça va, j'adore 10 minutes. Mais il y a des gens qui mettent 3 jours, tu rigoles. Ça peut être très très bien. 2 heures, c'est un petit peu long, du coup. Ouais. Mais en fait, il a pas du tout l'air d'être très message, même quand je l'ai vu. Enfin, à la soirée, il a jamais regardé son téléphone. J'ai essayé justement de regarder. Et du coup, c'est vachement compliqué de savoir. Tu penses que tu lui plais ou pas? Pas du tout message, c'est compliqué. Tu penses que tu sens d'habitude, si t'as un crush, tu sens qu'on a réciprocité ou pas? J'arrive pas à savoir, je sais pas. Il faut que tu le revoies. Il faut commencer par là. Donc, t'as 21 ans, Marine, c'est ça? Oui, tout à fait. Moi, je dirais que déjà sur la prise de tête fin avril, on oublie. Ouais, on laisse un petit peu les choses se faire parce que non plus, faut pas non plus le speeder parce que toi, tu pars fin avril et lui foutre une espèce de pression en disant gars, j'ai pas le temps et moi, le 27, je pars, ok. Donc, soit on se marie tout de suite. Parce qu'on a tendance parfois, même si on dit rien, à foutre une pression sans s'en rendre compte. Je pars en connaissance de cause et j'ai déjà vu des pressions mises sans mots. Hein, avec juste une énergie de personne qui dit je connais aussi. Tu vois, donc te prends pas la tête s'il te répond, s'il te répond pas, il y a peut-être d'autres garçons, tu vois. Vis les choses simplement sans les projeter. Le dis les choses. C'est ça, ouais. Essaye de le revoir. Et verbalise. Verbalise. Et verbalise, mais là, si tu lui envoies un texto, laisse la semaine passer. S'il n'est pas à Nantes, laisse-lui le loisir de te recontacter si tu as envie qu'il te recontacte. On laisse pas le temps aux gens de leur manquer. Ouais. C'est ce que j'ai appris récemment. À force d'être trop proactive, tu n'as pas la place, il dit, je sais même pas. Exactement. Et le temps masculin est beaucoup plus long que le temps féminin. Tu crois? Non, mais quand toi, t'envoies un texto, t'attends une heure, c'est très long. Mais tu penses... Parfois, le mec, il attend... Alors, je vais contredire ce que je vais dire, mais le mec peut pas avoir passé les 3 jours et se dire « Ah tiens, je vais répondre ». Ce qui nous arrive souvent, quand on est dans une relation genre type plan cul, avec un mec qu'on aime bien, mais qui on se projette pas, et qui du coup, le temps passe, et je me dis « Oh, j'ai un temps masculin ».
Mais non, mais c'est plutôt le temps de quand quelqu'un te plaît vraiment ouais, ou pas. Oui, mais quand tu mets de l'ego et quand tu te projettes trop et que t'es un peu insistant, tu vois. Tu sais, quand vraiment tu plais à quelqu'un, la notion de temps... Je sais pas, mais c'est un peu... Non, mais attention, il y a quand même aussi des gens qui ont des rapports, enfin, hommes ou femmes, très différents au téléphone, au texto. Si tu dis que pendant la soirée, il a pas du tout regardé son téléphone, moi, je trouve que c'est plutôt cool aussi, les gens qui sont pas tout le temps accrochés au téléphone, parce que si jamais vous sortez ensemble, tu seras bien contente qu'il soit pas scotché sur, tu vois, les réseaux sociaux. Et du coup, ça peut très bien être le genre de personne qui est pas trop téléphone, ça le saoule, il se sent pas à l'aise, même des fois t'as l'impression que c'est qui te snob, mais il se sent pas à la hauteur, il sait pas à quoi dire, et en fait il a envie de te voir et il préfère, tu vois, donc vaut mieux essayer de le revoir, je pense. C'est vrai, c'est pas parce qu'il répond pas, même tu me dis quand t'as dit si il a mis du temps, 2 heures, j'ai rigolé, 10 parce que, ouais, déjà t'as dit 10 minutes, bon là j'étais vraiment mordue après 2 heures. Tu sais, il y a des gens, ils mettent 2 jours à répondre, mais ça veut pas dire qu'ils kiffent pas, ça veut pas, dire qu'ils sont dans un autre truc, quoi. Faut pas que t'attendes d'être trop rassuré en fait par lui, tu t'es super meuf, t'as ta vie, tu parles fin avril pour d'autres horizons. Particulièrement toi. T'es une super meuf et oublie jamais ça. Parce que il t'as lui a dit dans les yeux particulièrement toi. Mais oui, ouais, il te l'a confirmé. Ouais. Mais t'as pas besoin de sa validation. Donc il faut le revoir, c'est tout. Et voilà. T'as raison. Il faut tellement le pécho. Ouais, effectivement, quand j'y repense, quand je lui ai proposé qu'on se voit samedi, c'est vrai que ça m'a fait... Enfin, genre, il m'a direct appelé et du coup, je me suis dit, effectivement, déjà, il est peut-être pas totalement message et il est peut-être plus appel. S'il a appelé, Ça, j'ai connu aussi. On voit des textos et le mec t'appelle. Ma question, c'est jeudi, je vais prendre un train sur Nantes. Est-ce que vous pensez que c'est trop tôt pour que je lui propose d'aller boire un verre ou c'est envisageable? Moi, faut pas m'écouter là-dedans parce que c'est jamais trop tôt. Moi, je ne le ferai pas, je le ferai spontanément jeudi et tu te laisses la possibilité que ça n'arrive pas. Tu vois, que jeudi, tu te lèves, tu verras. J'ai l'habitude que ça n'arrive pas. Non, mais si tu projettes trop, ça peut ne pas arriver, tu vois. Parce que tu veux te caler aujourd'hui, on est quoi? Mardi? On est toujours content de dire on est mardi et jeudi j'ai un rencard. Et pour vivre tout mercredi en disant j'ai un rencard. Alors attends, il n'y a pas moyen que tu aies un autre rencard jeudi? Attention, SML le briscard en même temps. J'entre en piste. On est sur toujours du plan B. Attends, je t'explique. Parce que si psychologiquement t'es en force, si t'as un autre date avant et que tu sais que ça va pas durer 40 000 heures avec ce, appelons le date A. Si tu envoies un texto à ton crush pendant que t'es en date, tu vas lui dire hey, vas-y, je suis là, on se capte. Alors que si t'es toute seule et que tu fais genre j'attends, mais en fait je suis pas toute seule, c'est overbooké, mais en fait je suis toute seule, en train de choisir des habits. Exactement, tu vas envoyer trop de smileys, trop de genre 3 petits points, machin, etc. Pardon. Et je pense que stratégiquement, c'est intéressant de voir quelqu'un, s'il y a moyen, juste avant, et après, pendant que t'es avec cette personne, tu l'envoies. Moi je suis d'accord, c'est une technique, mais tu peux quand même être concentré sur ton crush avec ton date A et être dans la même galère de dire est-ce qu'il va me répondre ou pas. Ouais, mais au moins t'as quelqu'un pour si ouais, c'est un bouche-trou. Je sais si t'as envie d'envoyer un message, alors j'attendrai quand même demain ou jeudi. Et le jour simplement. Même, moi, je trouve pas ça correct de proposer le jour. Oh, ça va. Oh, bah, excusez-moi d'avoir des manières. J'ai envie de te voir, si t'es dispo, ça me ferait plaisir. Et là, tu lâches ton truc. Ah ouais? Non, pas, j'ai très envie. Ah ouais, j'ai envie, ça me ferait plaisir. Il lui a dit particulièrement toi. Est-ce qu'il s'est pris la tête pour ça? Et je crois que la grande question, c'est est-ce que tu voudrais qu'il te recontacte ou est-ce que tu préfères le recontacter? Ah oui, c'est vrai, c'est tu vois, parce question. Que le but, c'est de le voir. Mais est-ce que tu préfères que ce soit parce qu'il t'a recontacté ou parce que tu l'as contacté? Personne n'a des tarots, là, qu'on fasse Non, moi, j'aime bien, justement, l'idée que ça change un peu, que ce soit moi qui... Enfin, c'est moi qui lui ai demandé son numéro. J'aime bien Mais il faut que ce soit une vraie décision. Voilà, c'est super. Moi, je suis d'accord, t'attends demain ou même jeudi et tu et proposes. Tu dis, j'ai envie de te voir. Simplement, là, ça me ferait plaisir de te voir. C'est tout à fait le genre de message que je pourrais envoyer. Donc sans pression. Ouais, et on n'est pas déçu s'il n'est pas là, qu'il ne peut pas. Et alors, si je puis me permettre, mais après, je sais que je suis. Si t'as un plan C, c'est-à-dire que tu as 4 rendez-vous et que tu les plantes tous au dernier moment, sauf s'il t'annule et que tu l'emmènes à ton plan B, qui lui-même s'en va avec ton plan sexuel. Vous voyez comme je suis ostracisée. Non,
mais je donne des conseils de niche, je le sens bien. Mais quand même, au lieu de dire j'ai envie de te voir ou je sais pas quoi, j'enverrai un impératif genre viens on se capte. Parce que c'est un peu genre non, comme une carpe que tu oui, pêches. C'est chacun son ouais. Et finalement, je propose son style. Elle a l'occasion. Elle a... Ouais, puis ça fait plaisir de dire... j'ai... Pendant ce temps, Louise était en train de le chat. Désolée, c'est ah, le chat. Il y a des gens. Embrasse le chat d'ailleurs. Ouais, salut le chat. Il y a Thomas sur le chat qui dit il se passe tout ça dans la tête d'une fille qui envoie un texto. Et welcome. Ouais. Et alors encore là. Encore ça. C'est vraiment. On a pas sorti de cartouche mon pote. Et alors ouais, parce qu'il y a quand même. J'arrive avec de la pizza. Je suis là dans 10 minutes. Ça, c'est la version 17 du texto. Mais ça, c'est oppressant, ça. Mais non, mais trop oppressant. Je pense que si je lui envoyais un message en mode « viens, on se capte » et qu'il me disait « bah non, désolé, c'est pas possible », je pense que je le vivrais beaucoup moins bien que si je lui avais dit « bah ça te dit qu'on boive un verre » et qu'il me dise « bah non, je peux pas, j'ai... » Je sais pas si tu vois la nuance. Tu gères faut comment faire du temps. Surtout, écoute ton cœur. Évidemment. Ouais. Alors, le truc, c'est que si tu lui proposes ça une fois qu'il te dit non, et qu'une semaine après, tu lui reproposes et qu'il te dit non, tu vas être pareil, tu vas faire bah c'est ok, ça. C'est mort. Excusez-moi, je viens d'avoir. Alors que ça se trouve, juste le mec est busy pile au moment où t'as besoin. Oui, ouais. Mais là, il lui proposera un autre rendez-vous. Ce qui importe. Ouais, ouais, ouais. S'il voilà. peut pas ce soir-là et qu'il a envie de te voir, il te proposera un autre rendez-vous. Oui, c'est ça. C'est juste que toi, il faut que s'ils te répondent pas, vas-y, c'est bon, le gars, toi, t'as pas le temps. T'as d'autres gars à gérer. Alors, ça, non, tu lui envoies salut. J'ai Jérôme, Paul et Alexandre là qui veulent me niquer. Donc, bon, bah, est-ce que t'es écoute, bon moi, t'appelle, moi, je t'aime. Surtout toi, j'étais contente de t'avoir rencontré. Donc, éventuellement, t'as 10 minutes et puis sinon, tu vas te faire enculer. Bon, bah, mais un texto à la SML, tranquille. J'ai de la confiance. Merde. Tu t'appelles avec ton agenda ouvert et tu dis oui, non, je t'appelle parce que j'organise ma semaine. Comme j'ai pas mal de mecs à voir. Est-ce que tu es plutôt mercredi ou jeudi? Voilà, bah c'était pour organiser. Ah, superbe. Bon allez, on cœur. Fait des bisous et vas-y, j'espère que ça va aller. Est-ce qu'on a des nouvelles de Célia, s'il vous plaît? Non, je crois. Salut, pas, non, pas trop. Par contre, on a Alan qui nous attend, voilà. Alors. Est-ce qu'on peut appeler Alan? On peut totalement appeler Alan. Alors, où es-tu? Il est là, on va l'appeler. Alors, sa photo, c'est un castor, je trouve ça génial. Voilà, je tiens bien. Salut Alan. Allô. Est-ce que tu nous entends? Ouf. Ah, nous on t'entend très mal. Tu es dans un sous-marin, Alan. Tu es vraiment un castor, apparemment. Est-ce que t'as... milieu naturel. Check ton réseau. Est-ce que t'as 5 boules? J'ai pas du tout 5 boules, je suis en résidence étudiante. Oh, on part sur un wifi du Crous, j'adore. Ah mais je t'entends très bien, SML. Coucou Alan. Ça y est, salut Alan. Aussi. Alors Alan, tu as 21 ans, ouais. Ok, et tu nous racontes que tu as une vie sociale extrêmement épanouie, mais que pour autant, t'as jamais eu de meuf. Voilà, et je peux même aller un peu plus loin, j'ai jamais embrassé de fille. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est pour dire que voilà, c'est quand même assez rare, moi je connais personne autour de moi qui est dans cette situation. Je le vis pas trop mal dans le sens où, comme je le dis, j'ai une bonne vie sociale. Ouais. Et après, c'est vrai que c'est un peu pesant de ne pas avoir cette cohabitation. Voilà. Et attends, j'avais posé une question. Est-ce que c'est parce que maintenant, comme tout le monde l'a un peu fait, tu sais, c'est comme quand tu te mets tard à fumer, du coup, tout le monde fume et tu n'oses plus le faire. Enfin, ça, c'était mon cas. Non, mais du coup... Est-ce que tu as déjà eu envie d'embrasser une fille ou pas? C'est ça la première question. Et l'occasion. Oui, bien sûr. Et t'as pas osé ou qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais j'ai déjà dragué des filles, moi j'ai déjà pris des râteaux aussi. J'ai eu peut-être une situation compliquée une fois où je m'entendais très bien avec une fille et on est parti très loin l'un de l'autre, c'est-à-dire même diamétralement opposé au niveau du globe. Et ça s'est arrêté là. D'accord. Mais voilà, sinon j'ai pas eu de. De vraies occasions. Et quand tu dis que c'est rare et que tu connais personne d'autre, est-ce que toi t'en parles de cet aspect de ta vie à tes amis et tout? Ouais, mais j'en parle même avec mes bons amis, j'en parle de façon assez décomplexée, parce que je veux simplement être honnête avec eux, quoi. Ouais. J'ai beau faire plein de blagues de cul avec tout le monde, voilà. J'ai pas la même expérience.
Bon, après, voilà, tu sais que les moyennes de, enfin, c'est beaucoup plus tard que ce qu'on pense. Hein. C'est pas 21 ans, c'est pas du tout extraordinaire en fait. Hein. Donc déjà, faut pas s'inquiéter. Je pense c'est le premier truc. Et puis que c'est aussi, il y a des gens où, voilà, où ça peut prendre du temps aussi de rencontrer la bonne personne. Et je pense que c'est pas grave. Envie de forcer non plus. Ouais, ouais, voilà. Ouais, justement, j'allais te demander comment tu te sens toi vis-à-vis de tout ça. Et je suis bon, voilà, c'est la Saint-Valentin, machin, etc. Comment tu sens, puisque tu nous dis avoir une vie épanouie, personnelle, est-ce que ça commence à te manquer, à t'inquiéter? Est-ce que tu t'interroges de façon légère en disant tiens, c'est marrant, ça m'est pas arrivé, mais je sais que ça arrivera? C'est quoi ton état d'esprit là? Ça dépend en fait, c'est un peu sinusoïdal quoi. Ouais. Donc, globalement, ça va. C'est-à-dire, je suis en bonne santé, j'ai des bons amis, tout va bien. Mais c'est vrai que ça m'arrive de rentrer chez moi, d'être un peu blasé tout seul, de pas avoir cette reconnaissance un peu qu'on a dans un couple. Est-ce que t'as fait les sites de rencontres, les trucs comme ça, c'est un truc qui t'intéresse ou pas? Est-ce que t'as tenté, testé? J'ai un ami récemment qui a trouvé l'âme sœur comme ça. Moi, c'est pas quelque chose qui me plaît forcément beaucoup, mais j'y pensais à un moment donné, puis je me suis dit que c'était pareil, c'est forcer un peu ma nature. Enfin, j'ai pas vraiment envie de faire ça. Ouais, donc, si c'est pas ta nature, peut-être que c'est têtu, je sais pas. Et est-ce que. Non, pas forcément. Non, il y a des gens. Il y a des gens à qui ça parle. Ah ouais, moi, j'aime pas du tout le principe de se retrouver à deux dans un café et de faire OK, comment on s'organise? Bah, c'est juste que tu sais exactement pourquoi t'es là. Ah ouais, moi, il n'y a pas de mystère, c'est horrible. Et donc, est-ce que t'es déjà parti en vacances ou des trucs comme ça? Et est-ce que le fait d'être. Ouais, un peu loin de chez toi, dans un autre environnement. Comme je disais tout à l'heure. La fille avec qui je m'étais très bien entendu, c'était en vacances. Ah oui, voilà. Ouais, mais t'as mis trop de temps à pécho et du coup, vous êtes reparti chez vous. Non, mais là, t'as un copain, la situation était compliquée. Ah ouais, bien sûr. C'était... Évidemment. Je vais parler de détails, mais... Bah, en fait, il y a déjà un truc sur lequel il faut que tu te rassures vraiment, c'est que nous, on a plein de copains, donc on ne citera pas les noms, parce que voilà, c'est pas cool s'ils sont pas là, mais des copains vraiment... Tu parles de Léonard ? Qui font mille trucs, qui sont des gens qui accomplissent professionnellement, qui plaisent beaucoup. Je dis ça parce que c'est des gens que tu connais certainement et qui t'ont marqué pour l'une ou l'autre raison, et qui ont embrassé des meufs, pareil, à 20, 22, peut-être pas 25, mais il me semble qu'il y a une histoire comme ça. 21, là. Voilà. Ouais. Et donc, tu vois, c'est pas quelque chose qui est rare ou hors norme. En tout cas, c'est juste que ben, t'es peut-être juste plus malin et tu t'es dit, bon, je vais pas me lancer dans quelque chose où je la sens pas, ou je vais me prendre un râteau. C'est quand même important de forger sa première fois, si c'est possible, sur quelque chose qui est assez un terrain sain, quoi, tu vois. Ouais, c'est ton envie, peut-être. T'as envie que ça se passe, enfin, de faire ça bien et d'être dans un truc de confiance avec quelqu'un que t'aimes beaucoup. Clairement. Ouais, alors... c'est un choix. Pour parler juste. J'ai pas envie de faire ça comme ça sur un coup de tête. Ouais, bien sûr. En bourré dans une boîte de nuit avec une meuf que tu connais pas. Pour que t'as pas vu dans la lumière du jour. Ouais, voilà. De nos amis justement à qui voilà qui ont été plus tardifs que par exemple nous. Voilà. Y en a, c'était par manque d'occasion, d'autres parce que c'était qu'ils étaient pas très bien dans leur peau et donc du coup qu'ils étaient un peu fermés, d'autres qui attendaient voilà un truc un peu particulier. Tous se sont très clairement rattrapés depuis pour le coup, c'est-à-dire que c'était pas forcément plus romantique, etc. Mais ouais, il y a eu un truc de une fois que c'était lancé, voilà. Je pense que moi je le sens à ton témoignage que tu réagis plutôt sereinement. Enfin, tu me sens pas en panique en disant putain, les filles, faut m'aider, etc. Ce que tu as besoin d'entendre, je pense, c'est que continue. Ce qui est hyper important, quel que soit ton âge, c'est que tu fasses exactement ce que tu veux, ce que tu as envie, et que tu sois en phase avec toi, sans que ça te complexe. Là, t'en parles sereinement. Voilà. Ça va arriver de la bonne manière. Et il y a aussi sereinement, grâce à vous aussi, parce que en regardant vos émissions. Tu vas avoir tellement de skills dès la première fois en plus. Ça va être super. C'est con que tu sois pas venu parce qu'on t'aurait tout trollé une pelle. Putain, mais grave. Mais tu sais, il y a un truc aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que toi, t'en parles comme d'un événement parce que voilà, tu considères que t'as 21 ans et que tu, dans la norme, normalement, tu devrais déjà avoir embrassé quelqu'un. Ok, soit. Mais quel que soit l'âge auquel on embrasse quelqu'un, la première fois est toujours très particulière et c'est jamais anodin, tu vois. Il n'y a pas les gens qui se lancent et qui roulent des galoches comme ça à vue de nez.
Et les autres qui ont peur, qui sont une petite minorité, tout le monde a peur d'embrasser quelqu'un la première fois que ça se passe. Ouais, quel que soit l'âge. Oh ouais, mais j'imagine, mais j'en ai quand même très envie, je ne suis pas non plus, ouais. Voilà. Non, clairement. Moi, je suis sûre que ça va arriver, parce que t'as l'air posé, t'as l'air de ouais. vouloir faire ça avec quelqu'un de bien, donc bah ça, c'est toujours plus compliqué. Ouais. Si tu voulais faire ça, tu l'aurais fait avec n'importe qui et t'aurais trouvé. Et tu t'es mis un petit défi, ouais. mais c'est beau, en fait, ouais. c'est noble. D'ailleurs, justement, je suis étudiant et d'ici... d'ici s'il y a des meufs qui nous écoutent. Peu, en fait, je vais partir à l'étranger, mais c'est ce que je dis à mes potes quand ils me posent des questions. Hein, alors, pas de meufs. Sans être très très fin, je leur dis, moi j'ai envie de rencontrer quelqu'un maintenant, hein, ou avant de partir, en fait. Et ça fait un peu écho à la dernière personne que vous avez eue. Oui. Ah oui. Qui justement hésitait un petit peu. Enfin, bon, là, est-ce que s'il y a quelqu'un qui nous entend ce soir et qui a envie de t'écrire, parce que je sais pas, ça t'a touché, tu veux qu'on fasse suivre ? Tu vis où ? Bon, Alan, c'est pas mon vrai prénom. Oui, oui. Si elle veut. J'habite à Montpellier. Voilà. Montpellier. Bah, si tu veux, tu peux nous envoyer un MD, ton mail. Et s'il y a une meuf qui a trouvé ça charmant. Mignon, ce que tu veux, en tout cas qui a très très envie de t'envoyer un mail, et bon, on fera suivre. Hein. Dans la grande couronne Montpellier, Béziers, Agde. Et tu vas où à l'étranger ? Je sais pas encore, j'aimerais les États-Unis. Ça, ouais. ça peut être pas mal aussi, hein, ouais, ouais. Ah oui. Un vrai baiser d'Erasmus. Le monde à bout portant, ça c'est Alan. Ça c'est pas mal, hein. L'américaine aime le petit Frenchie. Hein. Ah bah ça c'est sûr. Le French kiss. Là ça va être une autre limonade, mon vieux. Hein. Si ouais, tu vas aux États-Unis, tu vas revenir. Comme le gars dans Love Actually. Ah oui, qui part. Oui. Ouais, voilà, et c'est directement à 4. Bam. Bon, en fait. De quoi ? C'est presque plus flippant de partir comme ça, au moins. Mais non, ça va être un super training. C'est l'école de la vie là qui t'ouvre les bras. Qui te dit, ouais, mec, on va dans l'école de la vie. T'es un ninja, mec. Ouais, ça va être super, Alan. Mais oui. Et on te fait plein de bisous. Tu nous entends ? Oui, oui, je vous entends. Ouais. Plein de bisous. Plein de, ouais. Écoute, on t'embrasse toutes sur la bouche. Ouais. Sur la bouche. Virtuellement, mais quand même. Mais quand même. On va dire que tu nous as embrassés virtuellement. Bon, alors s'il y a des meufs qui veulent contacter Alan, mettez-vous en relation via les commentaires YouTube live, mais maintenant. Et si vous le faites en replay, Alan, tu connais le Twitter de l'émission ? Mais je suis pas du tout sur les réseaux sociaux, par contre. Ah oui. Sauf sur Skype. Tu sais quoi ? Le bel homme. Il y a la boîte mail de Mademoiselle. Si des gens veulent s'envoyer des mails, etc., ils vous mettraient en sujet l'émission. Oh, mais... Je crois que j'aime Alan. voilà. Et puis on transmettra. Carrément. On fait ça. Gentil, mais après je suis aussi contente de laisser faire le hasard. Hein. Mais bien sûr. Mais tu sais quoi, c'est aussi le hasard. Bien sûr. Si on tombe sur ton mail, c'est le hasard. Tu n'es pas tombé ici par hasard. Ouais. Exactement. On te fait plein de bisous. Bisous. Bonne soirée, bonne Saint-Valentin. Bye. Bisous. Ciao. Bye bye. Bye bye. Alors on va essayer de rappeler Marie. On va essayer de rappeler Marie. Oui. Allez, on tente. Marie, c'est la friend zone. Oh, la friend zone, sympa. Non, je sais plus. Si c'est ça. Oui, oui. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Et donc, Louise. Marie est amoureuse d'une de ses copines, mais elle est hétéro, alors elle voulait savoir comment rester copine avec elle sans qu'il y ait de la gêne. Et là, Océane Rosemary, c'est le micro fonctionne. Allô ? Allô ? Marie, on t'entend presque. Allô ? Oui. Tu nous entends, Marie ? Oui. Ouais, super. Bah, bienvenue. Merci. Ça va ? Comment ça va ? Moyen, oh, c'est pas la grosse. Raconte-nous un petit peu. Pitche-nous. Bah, je suis amie avec une fille depuis l'année dernière. Mm-hmm. Et on a passé 3 jours ensemble. On avait la maison pour nous toutes seules pendant les vacances à Toussaint. D'accord. Ouais. Je lui ai d'abord avoué que j'étais bi le premier soir. Et le deuxième, je lui ai dit je t'aime. Et je me suis pris à un méga râteau. D'accord. Et on est toujours ultra potes, on est tout le temps ensemble, mais en permanence. On parle de tout et n'importe quoi, dont de mecs et dont de cul. Ouais. Les derniers jours, j'étais pas vraiment pas bien. Donc aujourd'hui, j'ai pas calé que c'était à Saint-Valentin, mais je lui ai redit. Et elle m'a fait...
Je suis vraiment trop gênée, mais j'ai trop envie de te garder en amie, j'ai pas envie de te perdre. Elle m'a même proposé d'arrêter de me parler pour que je l'oublie. Ouais. Et voilà, résultat, on est méga potes, mais moi j'ai envie de l'embrasser en permanence, ce qui est très gênant. On connaît bien. Est-ce qu'on a toutes connu autour de cette table ? Parce que moi je l'ai connu plusieurs fois cette situation. La friendzone Quand bah, moi je sais pas parce que je crois pas j'ai pas souvenir mais j'ai souvenir d'avoir un ami qui je sens qu'il y a une attirance et que moi je l'ai pas et du coup c'est vrai que j'ai pas entretenu, j'ai toujours coupé pour pas vivre ça parce que je trouvais ça dur. Après, moi, ce que tu vis, si je peux, si ça, je sais pas si ça va te consoler, mais je l'ai tellement vécu, enfin, mais vraiment des dizaines et des dizaines de fois. Encore aujourd'hui, je peux, c'est des choses qui peuvent arriver parce que justement, entre deux nanas, t'as toujours une espèce d'ambiguïté où il y a à la fois un truc d'amitié très fort et où tout se mélange. Et quand toi, t'es bi ou homo, bon, bah, t'es attiré par la fille et elle, finalement, elle est peut-être pas si claire que ça puisqu'elle reste quand même amie avec toi, mais elle est pas claire au point de passer à l'action. Donc à un moment, franchement, je te le dis, pour l'avoir vraiment beaucoup vécu, il faut vraiment que tu penses à toi et à ce qui est le moins pénible pour toi. C'est-à-dire que si tu es vraiment hyper amoureuse d'elle et que tu sens qu'il va jamais rien se passer, il vaut mieux qu'en effet que tu la vois moins pendant un moment, quoi, que tu coupes un peu, je pense. Parce que sinon, elle va toujours tirer un bénéfice à votre amitié, en fait. Parce que pour elle, c'est cool. Il y a une meuf géniale qui est à fond sur elle, qui est okay aux petits soins. Et donc, quelque part, c'est tout bénef, quoi. Ouais. Et du coup, après, si tu penses que tu peux devenir amie avec elle, bon... Ouais, vous n'êtes pas d'accord sur l'objectif de la relation, quoi. C'est pas même si tu veux, il faut que tu comprennes que c'est pas très cool aussi elle de sa part de rester amie avec toi comme ça alors qu'elle voit que t'es amoureuse d'elle parce que elle a une responsabilité aussi, quoi. Mais franchement, elle a proposé d'arrêter de elle m'a demandé si elle voulait que je qu'on coupe les ponts et tout, mais franchement, ça va être trop dur de... Ça va être dur un temps. Hein, Marie, là, tu traverses une phase de marchandage d'âge, donc c'est-à-dire que tu es prête à accepter beaucoup de choses qui font souffrir pour être au plus près de l'être aimé, ce qui est complètement normal. Hein. Lever la main, voilà. C'est jamais arrivé. Ah oui, bah alors, bonjour, je peux lever toutes, voilà. Donc, c'est vrai que c'est difficile de prendre un tout petit peu de recul et de se dire qu'on doit couper à un moment quelque chose pour son bien, comme on arrêterait la cigarette ou on ferait des choses comme ça. Mais effectivement, là, ce qui va t'arriver, c'est que tu vas t'enfermer dans une relation à sens unique, tu vas donner beaucoup, ce qui va au fur et à mesure te faire que tu vas te dévaloriser, puisque toi, tu vas rien recevoir, donc tu vas avoir le sentiment de ne pas de valoir le coup. Ouais. Et surtout, tu vas pas t'ouvrir aux autres choses qui passent à côté de toi et qui pourraient être aussi de belles histoires et de belles perspectives. Vraiment, on l'a toutes connu, il suffit un tout petit peu de se faire violence, mais... bon après pas... si t'es pas enfin moi je comprends hein, ce que tu vis quand tu dis ça me semble impossible et tout, t'as cette possibilité de te forcer à couper qui est vachement dur à faire, violente. Et sinon tu peux aussi aller au bout du truc et dire bon bah au bout d'un moment je vais être dégoûtée, ouais. Parce qu'en fait au bout d'un moment tu vas avoir envie de la taper parce que en fait quand on est hyper amoureux comme ça et qu'on voit l'autre qui est là et bon et ben ça il y a un moment il y a de la colère qui arrive ou du dégoût, voilà, et du coup il y a un moment où toi ça va te passer. Mais ça peut mettre du temps. Ouais. Est-ce que tu as d'autres amis qui pourraient prendre soin de toi le temps du sas relou? Cette fille, c'est pas ma meilleure amie. Donc oui, j'ai des amis beaucoup plus proches. Mais le truc, c'est qu'on a exactement le même groupe d'amis et on est en cours ensemble. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah ouais, c'est chaud là. Ouais. Donc soit tu fais un petit peut-être Kned que t'es pas obligé de tout de suite là ce dont tu peux prendre conscience, c'est toujours difficile de nous moi j'ai mis 4 ans à sortir d'une relation qui me rendait pas heureuse donc 4 ans c'est très long. Et mais c'est vrai que j'ai des amis qui m'ont juste dit en fait là t'as pas l'air heureuse, cette personne elle te rend pas heureuse parce que toi n'oublie pas tes objectifs dans la vie, qu'est-ce que tu attends d'une personne de la personne que tu vas aimer, t'attends plein de choses que certainement cette fille a, mais t'attends surtout un amour réciproque et c'est très important comme critère et on peut pas s'asseoir dessus. Et je pense que ce soir c'est bien si tu repars avec cette idée en tête et puis avec le temps ça va se décanter et de toi-même par respect pour toi tu vas savoir qu'il faut arrêter cette relation. Ouais, ça met un peu de temps, ça pique
Vraiment, quand t'es... surtout quand tu la vois, malgré tout. Oui, voilà. Tu la vois... Mais peut-être elle peut faire ton SAV aussi, cette meuf. Ah non. Bah si. La personne, elle peut pas faire le SAV. Bah, pourquoi pas. Bah, ça marche pas. Mais c'est, ouais, bah, c'est ton ex qui est... te largue et qui fait ça va, tu vas bien, oui, tu veux pleurer sur mon épaule. Ex, justement, elle, ouais, mais c'est elle une personne que tu kiffes. Que elle peut se cheer up peut-être, non? Je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses, Marie? Non. Il y a des termes que vous avez utilisés que je ne comprends ouais, pas. Cheer up, ouais, je ne suis pas moi. Vous savez, c'est service après-vente, ouais, c'est-à-dire oui, que. Oui, je sais. Non, et c'est tirer genre vous soutenir. Vous soutenir, vous changer les idées, je sais ah pas. Non, ouais, pas en plus, avec la personne et en plus, si elle est géniale à la consoler, ça va être oh encore non, pire. Ouais. Ah ouais. Ouais, le problème, oh non. C'est bien le problème des fins de relation. Mmh. Ouais. La personne ne peut pas s'occuper elle du pas. Deuil qu'elle vient de provoquer. Non. Mais par contre, effectivement, ce que dit Bérangère sur de toute façon, tu n'as rien à faire ce soir-là. Oui. C'est juste de commencer à. Envisager les choses autrement à et te dire à là on est dans un truc un petit peu qui n'est pas sain pour moi puisque je donne et je ne reçois pas et ça me provoque de la frustration et comme dit Océane il y a un moment où vient la colère pour rien parce que c'est pas non plus de alors faute, voilà, mais tu t'en veux presque à toi de rester. Mais de commencer à savoir et de se dire bon va falloir que je fasse attention sur si peut-être je te dis pas de plus jamais la voir, mais de petit à petit de dire, peut-être pas partir trois jours en vacances voilà, dans une maison seule et d'intégrer ça va d'autres personnes à, parce que là vous êtes dans une relation finalement de duo, c'est ça, vous êtes tout le temps toutes les deux en fait, tu m'entends? Bah, ouais, en fait on est toutes les deux et il y a du monde qui gravite autour, c'est ça, vous êtes une team dans la grosse bande, quoi. Un épicentre. Et alors peut-être tu pourrais faire, c'est con, hein, mais peut-être tu pourrais faire une activité en dehors de ton cercle d'amis et des cours, tu vois, histoire de, je sais pas, de voir d'autres têtes, quoi. Ouais, pas mal, beau gosse. Mais j'ai un petit problème de sociabilisation, c'est T'aimes pas les gens. On va dire un peu timide, et j'allais dire j'aime pas les gens, mais c'est un peu ça. Ouais. C'est super dur pour moi de me faire des potes parce que j'ai des avis tranchés et que oui, on m'appelle la sociable au lycée parce que je passe ma vie avec mon casque et un bouquin. Enfin, je veux dire, si tu vois d'autres têtes, c'est pas forcément de se faire de nouveaux amis. C'est juste, même si tu vas dans une autre médiathèque. Club de lecture, voilà. Voilà, c'est juste changer son quotidien et ses habitudes. Et ses souvenirs qui vont. De nouveaux souvenirs vont se fabriquer et t'auras pas genre. Le même chemin, genre, ah là, on passait avec elle quand on marchait, ouais. Un jour on rigolait et après éviter, elle m'achetait un verre d'eau. Et éviter de provoquer des situations un peu dangereuses, comme on disait tout à l'heure, de partir avec vacances, voilà, ouais, de regarder un film toutes les deux, genre, ah, on se fait un petit truc cocooning toutes les deux mais et on se regarde entre copines. Voilà. Parce qu'en plus, du coup, c'est pas honnête, puisque elle te dit, bah, moi, non, et donc toi, si tu continues, alors si tu lui dis à un moment, non, mais c'est clean de mon côté, etc. C'est pas très cool. Ouais, donc, tu vas te mettre en galère. Ouais, devoir faire croire. Et pense et à toi, en fait. On, ouais, on, enfin, en tout cas, de l'expérience, je sais pas, on a tout à peu près le même âge. Mmh. Aujourd'hui, quel âge t'as, toi, Marie? J'ai 18 ans. Voilà, bah, dans 12 ans, au moins. De là où on est, ce qu'on peut dire, c'est que la réponse, elle est en toi, avec ce que tu veux. On reporte toujours tout sur l'autre, mais la réponse, c'est toi qui l'as. Qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie, dans ta relation sentimentale, et qu'est-ce que tu as envie vraiment qu'elle t'apporte, honnêtement, de toi à toi. Voilà. Oui. Pars avec cette petite question existentielle. Voilà. Un jour, tu auras 30 ans et tu feras putain, non, c'est mais ça qu'elle là, disait en la fait, vieille. Quand tu dis, j'aime mon casque et je suis associable, c'est justement aussi l'image que toi et que tu as construite, mais que tes potes ils te renvoient. Donc le fait de sortir de son schéma, ça, même si c'est chiant et que ça fait peur et tout, tout le monde a peur. De toute façon, c'est comme on disait à Alan tout à l'heure, franchement, ça fait peur d'embrasser quelqu'un, même, enfin, quelle que soit ta situation. Mm. Là, ça fait peur d'aller voir de nouveaux chemins. Donc je pense que c'est ça une des réponses, en fait, c'est de changer cette habitude et de se dire, ok, ben, j'ai peur, mais au moins j'essaye. Ah tiens, ça fait une heure que j'ai pas pensé à surtout elle. Que... Et, ah tiens, ça fait deux heures. Bon, ben, ouais, et puis si tu penses que t'es attiré par des filles ou plus, enfin au moins autant par les filles que par les mecs, voire plus par les filles, d'aller dans des lieux, tu vois, de filles, quoi.
enfin je sais pas dans quelle ville t'es, mais tu vois, s'il y a des soirées filles ou quoi, c'est cool d'y aller, parce qu'au moins tu sais que tu rencontres des gens qui déjà ont un potentiel désir, tu vois, parce que le truc de l'hétéro, enfin je sais pas, moi je l'ai vraiment hyper vécu, ben, je te dis encore même maintenant, ça peut m'arriver, tu vois, dans une fille super, bim, elle est hétéro, ah, grosse galère, ça arrive toute la vie, quoi. Mais du coup, justement, c'est important de pouvoir aussi rencontrer des filles qui sont lesbiennes ou qui sont bi, ouais, tout à fait, et qui sont déjà disposées. Ouais, voilà, parce que sinon, si t'attends, enfin, si tu restes que dans ton lycée, la fac et tout, tu vas tout le temps rencontrer forcément plus d'hétéros, parce qu'il y a plus d'hétéros, donc... Ça vaut le coup, je crois, vraiment, de sortir. Moi, je te le dis parce que j'ai mis du temps à oser le faire, aller dans des bars de filles et tout, des soirées filles. Et en fait, c'est vachement bien. Parce que même, tu peux te faire même des amis qui vont vivre la même chose que toi. Tu peux en discuter. C'est fou. Grave. Ça soulage. C'est vrai. J'avoue. Alors, comme nous, on peut rencontrer des mecs prêts. Prêts à être en couple. Ça, c'est aussi la galère de l'hétéro. Ça va aller, ma vieille? Oui, merci. Bah oui. Tu nous envoies un message, super, d'accord, n'oublie jamais. Ouais, et on te fait plein de câlins. Toi aussi, on t'embrasse d'ailleurs. Ouais. Merci beaucoup, vous êtes génial. Et ça va aller en toi. Toi, t'es génial. Toi d'abord, miroir magique. Hein. Ouais, j'ai aussi 18 ans. Donc, je te fais des bisous. Et tu sais quoi, enfin, quoi qu'il arrive, hein, ça passe et ça va aller. Ouais. Ça, c'est certain. Et n'hésite pas à nous envoyer des petits messages plus tard, ça se trouve, quand tu seras peut-être libérée, et nous dire que ça va, ça nous fera très plaisir. Ouais. Ok. D'accord. Merci. Il nous cherche. Ça va aller. Ça va bisous, bisous, bisous. À bientôt, bisous, ma cocotte. Ciao. Ciao. Ouais. Et bien, je vous ai pas dit un truc. Tout à l'heure, en fait, j'avais un projet de vous amener des cadeaux et je voulais acheter des pains en forme de top. Je voulais acheter la top du gluten à partager. Bien sûr, on aurait été ravis de partager. Je suis triste. Une top. J'aurais mangé le dessous de couille. Allez. Ah, le fameux. Et moi la couille. Eh bien, nous allons prendre un dernier appel qui va être la fameuse Célia, s'il vous plaît. Donc on rappelle. Pour ceux qui nous suivent, qui arrivent en route, tout à l'heure... On s'est transformé en émission de télé-réalité, ouais, grave, oui, très clairement. Tout à l'heure, un de nos auditeurs, Flo, a dit « Écoutez, je kiffe une meuf, elle s'appelle Célia, elle écoute l'émission elle aussi, est-ce qu'on peut entrer en contact ?» Louise Ounette, qui est la meilleure personne d'entre nous, a réussi à trouver, à traquer, à pister Célia. Et on appelle Célia immédiatement, en espérant que c'est la bonne Célia. C'est genre... Oui, bon, oui, jour. J'ai vérifié avec le diplo. Ah, cool. Et oui. Non, mais c'est une machine de guerre. Fais des petites enquêtes. Et oui. Quel est ton animal préféré ? Elle envoie le GIGN. Allô ? Allô ? Allô ? Ouais. Bonjour, bienvenue. Bonsoir. Comment ça va ? Joyeux Saint-Valentin à toi. Oui, merci ça. À vous aussi, ça merci. Va. Pas stressé. Stressé. Alors, ouais. C'est un truc de ouf ou pas ce qui se passe ? Il paraît que t'as très bon goût, que tu adores l'émission déjà, ça c'est cool. Oui, c'est j'adore comme... l'émission. Ah bah, donc tu écoutais ? Oui, 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 j'étais en train d'écouter. Bah, et qu'est-ce qui s'est passé du coup quand t'as vu ça ? Bah, du coup, j'ai été un peu stressée, bah, mais je sais pas du tout quoi faire. Ah ouais. C'est quoi ? Faisons une liste. Grave. Flo, il faut que tu vas t'en 5 minutes. Faut qu'on n'écoute n'écoute pas ça. Non. On est en tête. Pourquoi t'es stressée ? T'es stressée d'être à l'antenne ou t'es stressée par la proposition qui t'est faite ? Les deux. Okay. Donc le fait qu'on est à l'antenne, en fait, on s'en fout. Ouais, on est juste au téléphone, oui, sur Skype, tu vois. Voilà, c'est pas. Aucun souci. Dis pas de trucs genre si t'as enterré des gens dans le jardin, parce que après on serait obligé de mener l'enquête. Mais sinon, si c'est des trucs légaux, vas-y. Donc cela est embalayé. Donc, ok, il y a un gars qui te kiffe, d'accord. Et toi, bon, tu le connais pas trop et t'hésites à son sujet. C'est ça. Donc, tu peux nous parler un peu de juste l'historique. Tu le connais depuis quand est-ce que tu es surprise déjà de ce qui vient de se passer Non, pas du tout. Ah ouais Je le savais déjà en fait. Donc, on se connaît depuis le début de l'année scolaire, donc on se parle bien, tout ça. Et donc je savais qu'il avait des sentiments pour moi et je l'apprécie beaucoup, sauf qu'on a vraiment des idées complètement différentes et des façons de penser complètement différentes. Ouais. Et donc je sais pas en fait si... Parce que hormis ça en fait, moi j'aimerais bien être avec lui et s'il y avait pas ça, je pense que ça serait déjà fait. C'est quoi les discords ? Est-ce qu'il vote Bruno Maigret ? Est-ce qu'il a l'âge de voter déjà ? Je pense pas déjà. C'est quoi vos discords, vos différents ?
Par exemple, je suis beaucoup féministe et il a eu des propos qui m'ont pas vraiment plu ou plein de choses comme ça en fait. Vraiment des différences d'opinion. D'accord. De point de vue, ouais. Ouais, mais il écoute l'émission, donc ça va s'arranger, hein, Flo. Ouais. Il écoute pas du tout l'émission. En fait, il est venu pour parce que je lui en ai parlé. Bon, alors il va écouter l'émission à partir de maintenant. Il va écouter parce que là on est. Et il nous fera une fiche de lecture chaque semaine. Non, mais attends, j'ai une question. Quand vous parlez, par exemple, de sujets, voilà, sur le féminisme ou quoi, t'as l'impression que il est complètement fermé, qu'il peut pas changer, ou que c'est juste qu'il y a jamais vraiment réfléchi parce que c'est un garçon, qu'il est jeune et tout ça, et que parce que tu vois, c'est il faut éduquer les gens aussi, il faut leur apprendre des choses. Eux, naturellement, ils peuvent pas être forcément dire des choses, tu vois, s'ils ont jamais entendu parler de ça, ils sont un peu à l'ouest, quoi, des fois. Grave. Amen. Je pense que il y a déjà réfléchi parce que ses propos sont bien tenus et ça se voit qu'il a une opinion tranchée sur ça. Après, je dis pas qu'il peut pas changer, mais est-ce que les gens changent vraiment, en fait, c'est surtout ça. Ah, oui, à ce stade-là, oui, vraiment. Oui, je pense. Si tu lui prouves, si tu lui montres vraiment les choses, c'est implacable. Enfin, le féminisme, tu vois, il n'y a pas vraiment d'opinion, c'est pas une opinion. Ouais, c'est... bah oui. Ah non, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi beaucoup de propos sur le. Il y a eu du racisme, il y a eu plein de choses comme ça. Ah, fait. Donc on parle sur Bruno Maigret, effectivement. Ah oui, c'est un fan de jeunesse Marine Le Pen. Mais en fait, je ne sais pas si Flo, tu nous écoutes, mais juste pose-toi la question. Après, tu as les opinions que tu veux, il n'y a aucun problème. Juste pose-toi la question si tu te construis comme ça parce que c'est plus facile ou que tu l'entends chez toi ou que voilà, c'est juste une sorte d'atavisme. Et encore une fois, c'est pas un problème. Explique-le aussi à genre de saison. De genre, une culture, quoi. Elle a genre... dit tellement de mots que j'ai pas compris. Ouais, ça a été élevé dans une certaine culture. T'as des propos, voilà, envers qui que ce soit, qui sont ceux que t'as entendus et que tu répètes. Ou est-ce que vraiment... parce que comment ça se fait que t'as envie de traîner avec une meuf qui est féministe ouvert d'esprit. Voilà. Si toi, t'es très différent d'elle. Enfin, tu vois, je me pose la question de... Justement, de comment on se... Oui, s'il est attiré par elle, quelque part, c'est déjà une façon de s'ouvrir l'esprit à autre chose. Il cherche peut-être à être éduqué. Exactement, c'est un signe de perméabilité. Parce que même cette déclaration par les Mifions, c'est aussi une jolie preuve d'ouverture d'esprit. S'il ne cautionnait pas du tout ce que vous dites... Après, je comprends tes doutes, parce qu'il y a un moment où il te plaît, c'est ça, hein, il te plaît globalement, sauf que ta grande réticence à toi... Sauf en tant qu'électeur. C'est ses opinions. Et j'adorerais minimiser, mais effectivement, c'est compliqué. C'est grave. L'attirance physique. Si vous n'étiez pas d'accord sur un plat préféré ou une couleur de vêtements, bon. Mais s'il dit que les Noirs, c'est tous. Et que les femmes sont des sous-hommes, il y a du travail. Bon, on n'est aussi pas d'accord avec toi. Nous non plus. Et donc, comme il y a Navo et Océane qui se sont proposés de le remplacer. Voilà, Navo et moi, c'est l'extrême gauche. Hein. Tu peux y aller, antiraciste à mort, super féministe. Donc, toi. Tu l'as eu là depuis qu'il a fait sa petite son coming out. Là, on part sur un coming out. Mais même si elle était déjà au courant, hein, là il a fait juste public, un truc un peu chic. Est-ce que tu l'as eu par texto ou tout ça? Tu lui as dit espèce de zinzin, qu'est-ce que t'as fait, etc. Zinzin. Oui, on en a un peu parlé, mais en fait avant tout on est bons potes, donc on en parle, mais j'essaye un peu de passer outre le fait qu'il m'aime parce que on est potes. D'accord. Ouais, t'as l'impression que vous pourrez pas être vraiment plus que pote. Mais il te plaît, ou il te plaît en tant que pote, et il te plaît parce que c'est un pote, et que voilà. Est-ce qu'il te plaît parce qu'il est audacieux? Ouais, c'est vrai que là... Faire attention aux audacieux. Franchement, une décla le soir de la Saint-Val... C'est audacieux, mais est-ce qu'il y a du fond derrière? Je crois qu'on a un point audace. Moi, j'ai été l'amoureuse de l'audacieux. Je veux te dire que j'ai attendu qu'on me choisisse, et c'est celui qui avait le plus d'audace qui gagnait. Et par expérience, ce n'est pas toujours le bilan n'est pas positif. Je ne veux pas te le mentir. Le bilan n'est pas positif. C'est vrai ce que tu dis. Il y a un lundi matin après l'audace, quoi. Oui. Après le geste fou, incroyable. Oui. Donc Flo, en fait, si tu nous écoutes toujours et si t'es pas parti te promener, les mains derrière le dos, tu fais une balade digestive avec un labrador au hasard que t'aurais trouvé ça ou là.
Demande-toi aussi si justement c'est pas la conquête qui t'intéresse. Mm-hmm. Attention, hein, Célia, je dis pas qu'il est pas vraiment bon. Posez-vous tous les deux la question de si vous pouvez faire chacun un petit bout du chemin jusqu'à vous rencontrer au milieu. Et puis, si Flo, de ton côté, tes sentiments sont sincères. Et si Célia, de ton côté, si est-ce que tu t'imagines le pécho ? Donc ça, c'est quand même un bon test pour savoir si tu as envie d'être avec quelqu'un. Ou si c'est juste marrant et agréable d'avoir un copain qui essaye de te séduire et qu'en plus il est un peu audacieux, vindicatif, audacieux. Voilà. Vous voyez demain ou pas? Non, c'est les vacances du coup. C'est les vacances. Oui, sur le repos oui. Des braves. Bon, ça fait plaisir de t'avoir eu. Ou ouais, voilà, c'est ça. Je crois en vrai, je sais pas si vous êtes d'accord, mais on le sent un peu au fond de nous, si on est intéressé ou pas, si vraiment on se concentre et qu'on réfléchit. Je crois qu'il y a un truc un peu instinctif, d'évident. Je pense que tu l'as, ta réponse. Oui, moi, parce je l'ai pas, mais toi, tu l'as. Moi, le premier mec avec qui je suis sortie, vraiment, je voulais pas. J'étais pas. Et il m'a convaincue. Ouais. Ouais. Et après, il t'a offert des dauphins. Parce qu'il était audacieux. Non, c'était un autre. Ah, ok. Mais il était audacieux, en fait. Et du coup, bon, bah. Moi aussi, les audacieux, ça a été ma perte. Hein. Mmh. Ouais. Et en fait, ça ne fonctionne pas, parce que de toute façon, ça revient. Bah, non, parce qu'au départ, il y a quoi ? Il y a, tu voulais. Hein ? Et puis toi, tu l'avais pas choisi. Bah, non, c'est lui qui m'a choisi. Eh ouais. Bah oui, c'est tentant, c'est facile quoi. Bah c'est comme dans le film, il fait tout et tu dis ouais. Bah c'est cool, ça ressemble vraiment à la comédie romantique et peu de garçons le feront. C'est normal. Bon, tu nous tiens au jus, Célia. Tu nous tiens au jus, mais réfléchis fort au fond de toi. Flo, ma foi. Fasse le salam à Bruno Maigret. Désolé, on a changé de team entre temps. C'était très team Flo, genre trop mignon, trop cute. Et on a changé de team. Ouais. Maintenant qu'il est raciste et sexiste, on l'aime. En tout cas, toi, Célia, on te kiffe trop. Ouais. Quoi? Même le chat a changé d'avis au départ. C'est vrai, Célia, mais maintenant c'est. Non, on est team, on est intimement Célia. Ah ouais, en tout cas, t'as l'air très mûre et t'as l'air de savoir. Ouais, t'as l'air d'être une chouette fille, ouais. On te fait confiance. Bah, ouais. Sur le chat, il y avait Navo qui disait c'est bon, Navoté, on n'aime pas Flo, lance un Stropole, ça m'a fait rire. Désolé, Flo. Il est gentil quand même, soyez gentil. Oui, on l'embrasse quand même. Bisous, Flo. Mais Flo, on sait qu'il va évoluer. Il faut écouter ce que dit Célia sur le féminisme. Fais-lui confiance, franchement. Et l'antiracisme. Je pense que c'est elle qui a raison. Ouais. Il faut qu'on s'aime tous. Et d'ailleurs, nous, on t'aime. Bisous, Célia. À bientôt. Bisous. Bisous, bisous. Ciao. Merci d'avoir été avec nous. Ciao. On aurait dit un twist de film. Ah, grave. Vraiment, on a changé de. Attends, on a retourné nos vestes. Laisse tomber, quoi. Je crois que c'est la fin de cette émission. Mais tout à fait. Est-ce que je peux passer un bonjour à Marine Baousson qui nous écoute? Évidemment. Écoute, vraiment, j'ai. Qu'est-ce que t'as fait? Non, parce qu'elle a fait maigrir. On parlait. Et t'as fait genre. Et je voudrais passer un bisou à Marine. Et vraiment, j'étais là, genre. Maigrir? Quoi, Marine? Non, Marine Baousson. Baousson, oui, on l'adore. Elle est super. On l'aime beaucoup. N'hésite pas à, elle fait ça en plus. À aller elle voir ce que fait Marine, on l'adore. Et d'ailleurs, on la reçoit. Allez en spectacle demain à la nouvelle scène, Showcase. Ah bah ouais, si vous êtes à Paris, n'hésitez demain, pas à aller la voir. Demain le 15 février. Demain le 15 février et le 27. Merci février. Les meufs d'avoir été avec merci nous ce beaucoup, soir. Ça nous a fait mais plaisir. Alors, je voudrais quand même qu'on passe un maxi big up comme une maxi serviette à Louise Ounette. Ouais. Un t'as assuré ce premier géré la technique d'une main de maître. Grave. Et il y a plein de gens qui ont plein de questions encore. Alors, je les renvoie vers la page Facebook de l'émission. Bien sûr, bien sûr. Exact. Nous, on va regarder tout ça. Et en plus, s'il y a des questions qui se recoupent, ce sera peut-être le thème de la prochaine émission. Grave. Ouais, c'est bien fait. C'est bien fait. Puis on fera peut-être une autre hotline à un moment donné, qui sait. Hein, le hasard de la vie. Au hasard. Bisous, les meufs. Merci, bisous. Bisous tout le monde. Ciao. À bientôt. Voilà, comme ça. La ceinture, hein. Roule pas trop vite. Come on and talk to me, I've a drama. I must be honest with you, try to be honest with you every single word. Come on and talk to me, I've a drama. I must be rhythmical, try to be. Come on and talk to me, I've a drama. I must be honest with you, try to be honest with you every single word. Come on and talk to me, I've a drama. I must be rhythmical, try to be. Come on and talk to me, I've a drama. I must be honest with you, try to be honest with you every single word. Come on and talk. Do me, I have a drama, I must be rhythmical, try to be. Come on and talk, do me, I have a drama, I must be honest with you, try to be.
Been thinking a lot since the end of our family affair, about the things that went wrong in the manner of speaking. I should have been more forthcoming about the things I needed to say, but you seem to be talking to someone else. And now you got me feeling so sorry for something I didn't do. You got me crawling round a gutter when I should have been busy making love to you. So it's all smoothed over, you cover your ears real tight. Is it up to me to be telling the black from the white? Now I'm talking to you, give me yabba dabba, I want to be honest with you, try to be honest with you. Now I'm talking to you. Now I'm talking to you. Give me yabba dabba, I want to be honest with you, try to be honest with you. Now I'm talking to you. Give me yabba dabba, I want to be honest with you, try to be honest with you. Come on, talk to me, yeah, to me, yeah. Come on, talk to me, yeah, to me, yeah. Come on, talk. Come on, talk to me, yeah, to me, yeah. And so what matters most in the end is beyond our fickle reach. How to unfold all the mysteries. It takes a different kind of species. I'm unable to handle the weight of all of your clouds put into words. Now you stand. You got me reeling round in circles, incomprehensible to man. Talking to you, give me yabba dabba, I want to be honest with you, try to be honest with you. Now I'm talking on the talk, give me yabba dabba, I want to be honest with you, try to be honest with you. Now I'm talking on the talk, give me yabba dabba, I want to be honest with you, try to be honest with you. Yeah.